notre page Ouragan du Midi et aussi sur notre YouTube Tabernacle Amour Fraternel. Et le thème de cette conférence est l'origine hébraïque des Africains subsahariens au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et ce thème est tiré du livre de Sophonie au chapitre 3, verset 10, et de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 19, le verset 24, le verset 25. Nous étions à Kinshasa il y a quelques mois. Nous avons donné les préliminaires de ce thème très profond et très vaste. Mais aujourd'hui, les conférenciers vont aller un peu plus loin et ils vont nous entretenir sur ces Hébreux-là qui se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Je voudrais inviter chacun, si vous êtes chez vous à la maison, à prendre un bloc-notes, à prendre votre Bible, parce que tout ce que nous dirons ce matin a pour source le texte biblique. Donc, il n'y a pas quelque chose que nous dirons ici qui ne tire sa source ou sa confirmation dans le texte biblique. Sans plus tarder, nous allons annoncer les conférenciers du jour. Celui qui aura d'abord la primeur de le présenter en deuxième position et son acolyte, c'est comme ça qu'ils aiment s'appeler, donc son compère avec qui il étale cette grande vision qu'ils ont reçue du Seigneur, vient du Congo Brazzaville. Donc c'est votre voisin, c'est votre frère, et j'ai nommé Dr King Fortuné. Nous allons, sous vos acclamations, accueillir le Dr King Fortuné. Dr King Fortuné. Et comme on dit ici, beauté. Ok, je vais accueillir un homme qui vient de Côte d'Ivoire. Je précise que le docteur Kik Fortuné est le visionnaire de l'étendard du Midi. Et son acolyte, donc son frère jumeau dans la vision, vient de Côte d'Ivoire. Il est docteur aussi de la parole. Il se nomme docteur Aké Dieudonné. Nous allons accueillir Dr Aké sous vos ovations. Dr Aké Dieudonné de Côte d'Ivoire. Dr Aké Mboti. Merci à vous, docteur. Vous avez la parole. Ok. Permettez-moi d'enlever ça. Alors, comme tu as engagé, j'ai dit la même chose. Beauté, papa. Un jour, on va bouter cette langue française et anglaise et tout espagnol et toutes ces bêtises-là, on va revenir en Afrique. Ils nous ont trop maintenus sous la servitude, mais Dieu n'a pas dit que ça durerait éternellement. Un jour, ça va finir. Ayons seulement bon espoir. Et puis, soyons optimistes. Ne soyons pas pessimistes comme certains le sont et des gens même osent aller loin jusqu'à dire que l'Afrique est maudite. L'Afrique n'est pas maudite, elle ne sera pas maudite. Il y a toujours un temps pour toutes choses. Je suis heureux d'être ici pour la deuxième fois. La première fois, nous étions à la 13e, je crois que c'était dans le mois de mars où nous avons eu notre première conférence ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes ici à la Reine de la Paix.
Alors, soyez les bienvenus. On m'a dit qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier, que c'est le jour de Salongo et que les gens devaient faire un travail public avant de se venir. Bon, je ne sais pas si c'est ça. Ça a fait un très grand retard. Mais comme nous ne comptons pas seulement que sur les gens qui sont dans la salle ici, nous avons des centaines de personnes qui nous suivent par Internet en ligne. Donc nous avons un auditoire visible ici et un auditoire invisible. Alors que je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Congo-Brazzaville, depuis le Cameroun, dans les îles des Antilles, de Guadeloupe, de Haïti, de Martinique, certains au Brésil, aux États-Unis, en France et tout ça. Bon, jusqu'au Maroc, même en Russie ce matin, il y a des gens qui sont déjà, voilà, qui nous suivent de tous ces endroits-là. Je vous salue tous et que la paix de notre Dieu soit avec chacun de vous. Alors, cela a été dit, je reconnais certains visages. Permettez, on dit à tout Seigneur, tout honneur. J'ai connu quelqu'un, c'était lors de la conférence à Yaoundé, et je crois que l'État congolais avait envoyé un représentant et qui représentait le ministère de l'intégration régionale. Et donc, il était à Yaoundé avec nous. On a échangé les contacts. Et je crois que quand je suis venu pour la conférence, je l'ai invité. Il est là ce matin, c'est M. Paul qui va se tenir debout juste. Il est le conseiller du ministre de l'intégration de la RDC. Merci beaucoup d'avoir honoré à notre invitation. Vraiment, nous sommes si reconnaissants que vous ayez pu faire ce déplacement pour être ici. Il y a aussi un papa, tout à l'heure, j'ai mis dans la poche, où est-ce que j'ai mis ça? Il y a un papa qui a échangé avec un frère tout à l'heure, qui lui disait que, mais lui, ce thème-là, il avait commencé à parler un peu de cela depuis 30 ans, mais ça n'a pas porté. Aujourd'hui, il a reçu l'invitation pour être ici à cause du thème. Il se retrouve dans la salle, c'est là qu'il se rend compte que c'est son jour d'anniversaire. Le papa Mpoi Théophile, c'est ça? Voilà. Il se trouve que c'est aussi un prédicateur, n'est-ce pas? Voilà. Et joyeux anniversaire à mon papa. Il a son anniversaire ce matin. Soyez les bienvenus. Je crois qu'à la fin, il y aura l'occasion de se réunir. Mais pour le moment, laissez-moi aller au travail. Et nous devons construire ce que vous êtes venu ici. Je crois que c'est le plus important. Voilà. Alors. Vous avez utilisé ça aussi? Comme vous l'avez vu sur vos indications, le thème de ce jour, c'est l'origine hébraïque des Africains subsahariens au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ça peut être choquant, puisque ça paraît vraiment comme contraire à ce que tout ce que nous savons, est des réalités, de l'actualité et tout.
Alors, comment nous pouvons-nous imaginer un seul instant que les Hébreux se retrouvent entre les Africains subsahariens au-delà des fleuves de l'Éthiopie? Ça, c'est choquant. Mais je vous demande d'être patient, parce que je serais un parfait fou que de donner un tel terme et de ne pas avoir des éléments pour le prouver. Alors, comme vous aurez aussi droit à la parole à la fin de mon exposé, pour poser vos questions ou alors pour apporter aussi des additifs, parce qu'il n'y a pas que des questions. Il y en a qui sont en avance, qui ont ces informations, qui peuvent apporter aussi des additifs. Que ce soit des questions, que ce soit des additifs, vous serez les bienvenus. Donc, pour l'instant, nous vous demanderions d'être patients, parce que un thème comme ça, il suscite beaucoup, beaucoup d'émotions, parce que les gens, la plupart de nos populations n'ont pas cette information, et quand c'est comme ça, ça paraît contradictoire à tout ce que nous savons, à tous les enseignements qu'on a reçus, à toutes les informations qu'on a reçues, et quand c'est comme ça, on a tendance à se braquer, à dire, mais ça c'est quoi encore, ça c'est un mensonge là, mais ça c'est pas vrai. Ça ressemble un peu à quand Obama est devenu président des États-Unis, et même les chaînes dites crédibles, les chaînes de médias dites les plus crédibles, ceux qui vous trompent et que vous pensez qu'ils sont crédibles, tels que RFI, comme on appelle France 24, ils se sont mis à dire, oh, enfin, un président noir, le premier président noir à la législature américaine, et on a gommé ça. Est-ce que vous êtes d'accord que Obama est le premier de la maison blanche? Vous pensez que c'est la vérité? C'est le plus gros mensonge qu'on a vu. Obama n'a pas été le premier. Il y a eu des présidents noirs avant. Le tout premier président noir qui est entré à la maison blanche, ça s'appelle John Hanson fut le premier président noir à la maison blanche. Et d'ailleurs, Abraham Lincoln, on nous a branché Abraham Lincoln après. Abraham Lincoln était un nègre, un noir comme les noirs. Alors, comment maintenant on va faire le premier président noir à la dans toutes les nations. Alors l'Éternel Dieu maintenant
parle au temps de la fin, là où ces dispersés seront tous rassemblés, il géolocalise cet endroit-là. Et il appelle cet endroit-là l'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le son n'est pas bon. Je crois qu'on va avoir un problème avec le micro. On va changer. Des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersé. C'est-à-dire, le peuple d'Israël qui avait été dispersé depuis les temps anciens. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, les gens vont à l'église, mais sans étudier le document de base du christianisme, qui est la Bible. Et souvent, quand on parle de dispersion d'Israël, les gens limitent ça à partir de l'an 70. L'an 70 après Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la vérité. La dispersion d'Israël a commencé beaucoup longtemps avant la naissance du Seigneur Jésus. 5 siècles ou 6 siècles avant la naissance du Seigneur Jésus. Déjà, en l'an 500, avant Jésus-Christ, les exilés d'Israël. D'ailleurs, quand le Seigneur Jésus naissait en Israël, Israël n'était plus sur son territoire. Il n'y avait que 2 tribus pratiquement. Il n'y avait que la tribu de, une partie de la tribu de Juda, une partie de la tribu de Benjamin, et une petite et une fine partie de Lévi, qui était sur le sol d'Israël. C'est pour ça le jour de la Pentecôte. La Bible dit dans Actes 2, verset 5, que les Juifs qui étaient dans toutes les nations sous les cieux s'étaient rassemblés. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à Jérusalem pour quoi? Pour le grand jubilé. Le grand jubilé, parce que le jubilé, il y a 2 jubilés. Il y a le jubilé de chaque 7 ans et il y a le jubilé cinquantenaire, chaque 50 ans. Donc ils étaient revenus pour le grand jubilé de 50 ans. Et c'est là que Dieu c'est comme si c'est Dieu qui les a attirés, les a convoqués pour qu'ils se rassemblent là, pour qu'ils leur donnent la nouvelle dispensation qui changeait de la loi de Moïse et maintenant à la dispensation de la grâce avec l'évangile. Donc, ici, Dieu dit qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, donc c'est au temps de la fin, voilà où on pourra localiser les dispersés d'Israël. Maintenant, mes frères, vous êtes les plus proches même de cette indication. Je parle du peuple congolais ce matin. Parce que au-delà des fleuves de l'Éthiopie, vous voyez quand vous vous tenez de l'autre côté, que vous regardez au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on tombe, n'est-ce pas, hein, en remontant vers ici, jusqu'en Afrique du Sud. Donc vous reprenez dans l'autre sens, vous touchez l'Éthiopie là, et vous allez jusqu'au Sénégal. Vous avez cette portion décrite ici, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, les dispersés d'Israël, les adorateurs de l'Éternel, que l'Éternel va rappeler, il dit quoi? Il donnera au peuple des lèvres pures. Il va purifier leurs lèvres pour qu'ils se reconnaissent à leur Seigneur. Ce peuple-là sera localisé sur cette partie, n'est-ce pas, de la terre. Voilà pourquoi nous avons pris cette écriture.
au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. C'est une zone géographique bien tracée. Donc, ce qui veut dire que tous ces pays qui sont sur cet emplacement-là, au sein de leur population, se trouveront les dispersés de l'Éternel. C'est-à-dire les Hébreux, ou les Juifs, ou les Israélites. Une autre information que j'ai regardée comme ça, parce que ça fait partie des recherches, que partout où je passe, je le dis, la langue que les gens parlent en Israël, là-bas, n'est pas l'hébreu antique. Ça s'appelle le yiddish. Donc même quand on se salue, les chrétiens pensent qu'ils parlent l'hébreu en disant shalom, shalom, c'est pas la vérité, c'est du yiddish. Ce n'est pas l'hébreu, ce n'est pas moi qui invente ça. Eux-mêmes, ils le disent, ils le savent. Et ça, tout le monde le sait, sauf l'ignorant. Alors, la langue même hébraïque du temps de Jésus, ou d'avant Jésus, ce qu'on appelle la langue hébraïque antique, les linguistes même sont d'accord aujourd'hui que cette langue-là, les 40% de cette langue non perdue se trouvent encore en Afrique ici, et particulièrement au Congo ici. Ça va vous choquer. Pardonnez-moi, je ne suis pas venu parler des tribus ou des... Parce que dans chaque pays, nous avons nos difficultés, telle tribu a des griefs avec telle autre tribu. On n'a rien à voir avec ça. Je vous parle de la parole de Dieu et vous prenez ça ou vous laissez. On ne rentre pas dans les tribalismes et tout ça. D'ailleurs, même, toutes ces choses-là, si nous comprenons ce que nous sommes en train de donner aujourd'hui, là, ça va éliminer le tribalisme dans nos États, dans nos pays. Et nos pays vont retrouver la paix tranquille. Les linguistes sont d'accord que le Kikongo que vous parlez ici, détient au moins 40% de l'hébreu antique, de l'hébreu parlé anciennement. Je crois que mon frère ici, qui est le second conférencier, hein, le soir quand il va intervenir, il va revenir un peu sur certains mots et tout ça. Hein, comme les mots comme Maï, les mots comme Massameriba, etc. C'est dans l'Écriture, c'est dans la Bible. Mais quand on lit ça, la religion nous aveugle à tel point que même quand c'est dans notre langue, on ne fait pas attention, on pense que non, comme on a dit Israël, on a balancé Israël en Palestine là-bas, on se dit peut-être ça ressemble, sinon c'est pas la même chose. Mais c'est pourtant ça. Là où Moïse a frappé le rocher, que l'eau est sorti, il a fait boire Israël. La Bible dit, ils ont donné le nom à celui-là, Massa Meriba. Massa Meriba. Moi, je ne suis pas le Kikongo, mais je crois que ceux qui parlent, comment on appelle la langue de l'apôtre là, son ethnie là, c'est quoi? L'apôtre chrétien. Oui, c'est le Kikongo. Oui, mais les villes, non? Les Dondo, Vili, en fait c'est les mêmes langues qui se trouvent. C'est les langues Congo. Lui il dit que dans sa langue directement, Massa Meriba, ça veut dire il y aura de l'eau aussi. Il y aura de l'eau aussi. Il dit que, vous pouvez le faire, il est où? Merci. Alors, tu me donnes le verset 2. Qui fait la projection? D'accord. Ok. Je vais aller. Où est-ce que vous voulez? Le verset 2? Le verset 19? Non, verset Esaïe 19. Non. Bon, laissez-moi, je vais aller tout droit sur le verset 24 et 25. Le verset 24 nous dit ceci. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction.
L'Éternel des armées bénira, les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. L'Égypte, mon peuple. Et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Tout bon chrétien, depuis toujours, en lisant la Bible, quand nous voyons l'Égypte, on voit le diable. Quand nous voyons l'Égypte, on voit l'enfer. On dit l'Égypte, c'est le diable, c'est Satan, c'est ceci, c'est cela. Mais comment se fait-il que, au temps de la fin, l'Éternel appelle cette Égypte-là, que vous traitez de diable, de Satan, d'enfer? L'Éternel, lui, il appelle l'Égypte désormais mon peuple. Vous n'avez pas fait attention. Et il bénira ces trois nations en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Et il dit au verset 4 que Israël sera relégué en troisième position. Troisième position. Alors, c'est quoi l'Égypte? Quelle est la partie qu'on appelle l'Égypte? Est-ce que c'est le pays de Mohamed Al-Sisi? Non. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Sachez que dans la Bible, l'Afrique est tantôt appelée l'Égypte, tantôt l'Éthiopie. Ah oui. Beaucoup ne savent pas que les Blancs, quand ils ont commencé la colonisation, donc même avant la colonisation, la traite négrière, où ils ont développé cette mauvaise thèse de la suprématie de la race blanche sur la race noire, directement, les anciennes cartes de l'Afrique. Vous pouvez aller sur Wikipédia, chercher les cartes antiques de l'Afrique. Vous allez voir que les parties qu'on appelle l'océan Atlantique aujourd'hui, c'était plutôt l'océan éthiopien. L'océan éthiopien. La partie qu'on appelait l'Éthiopie, mes frères, c'est là où vous êtes assis. Là. L'Afrique centrale, jusqu'à toucher les côtes occidentales. C'est ça l'Éthiopie. Les cartes sont là. Les cartes sont là. Les anciennes cartes sont là, c'est bien écrit. Oceans et Éthiopien et Oceans. Quelque chose comme ça. C'est écrit. Et dans la zone de l'Afrique centrale, c'est bien écrit Éthiopie. On a délimité la zone là. Donc vous voyez que au fur et à mesure, les choses ont changé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous envoie à être en guerre contre le Rwanda, contre le je ne sais pas quoi, contre le Congo, Brazzaville, je ne sais pas quoi, l'Angola, où les gens se regardent en chien de défaillance parce qu'une limite serait passée quelque part là, et désormais on dit non, vous n'êtes plus les mêmes choses. Et que ça s'est passé quand? En 1885. Et nous sommes entrés dans cette bêtise-là, et on a pris nos frères pour des ennemis. On est devenus des ennemis pour une frontière qu'un ennemi est venu tracer avec un crayon. Vous nous séparez. J'ai écouté un député de la RDC qui parlait un peu de comment les frontières sont passées d'un côté, et je crois du côté de Brazzaville, que la frontière aurait divisé la tombe d'un chef. Hein? Ça a coupé la tombe d'un chef en deux, la tête se trouve du côté de Brazzaville, et le corps se trouve du côté RDC. Le même bonhomme a deux nationalités, même dans sa tombe. Mais ça fait pitié. Et les Africains, nous avons accepté ça. Bref. Et là, cette prophétie d'Ésaïe 19, ça commence d'abord par l'Éternel dit que je vais tourner les Égyptiens les uns contre les autres. Un frère se battra contre son frère, un ami contre son ami, un royaume contre son royaume, comme un autre royaume dans le même pays d'Égypte, c'est-à-dire en Afrique. N'est-ce pas ce qui se passe sous nos yeux, même jusqu'aujourd'hui? Oui. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Quelquefois même dans le même pays, une tribu se lève contre une autre tribu. C'est une prophétie, mes frères. Mais cette prophétie donnée par Dieu avait une raison d'être. Dieu est en train de sanctionner son peuple d'Israël qui a rejeté sa parole. La Bible dit que la parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Vous savez bien que le Messie, le Seigneur, quand il est venu, Dieu fait chair, Israël ne l'a pas reçu, Israël l'a rejeté. Et le peuple d'Israël s'est arrêté devant la croix pour dire qu'il soit crucifié
et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous avez dit une parole grave. Maintenant, Dieu a dit, ok, d'accord, alors désormais j'enverrai contre toi, Israël, l'épée, la famine et la peste. Et l'épée et la famine et la peste. Regardez comment nous mourons. Regardez comment nous sommes tués. Il dit, vous serez haïs dans toutes les nations. Haïs dans toutes les nations. Dites-moi, la terre est peuplée de trois races, non, quatre races. On dit la race blanche, n'est-ce pas, qui sont les Européens, la race noire, qui sont les Africains, la race jaune, qui sont les Chinois, et la race rouge, qui sont les Indiens. Regardez de toutes ces quatre races-là, quelle est la race la plus détestée dans toutes les nations? Vous avez la réponse? La race noire. Quand on se retrouve en Europe, que les Blancs veulent faire le racisme contre nous, ils ne posent pas la question si tu es Congolais de Brazzaville ou de Kinshasa, ou bien tu es un Rwandais, ou bien tu es un Angolais, ils s'en fichent de ça. Ils n'ont que faire de nos petites frontières, ils regardent seulement notre couleur de peau et ils disent toi tu es moins que rien. Tu es un animal, tu n'as pas d'âme, donc on doit te traiter en tant que tel. On peut tirer sur toi et puis ça ne va nulle part. Il n'y a qu'en Afrique, récemment au Maroc, les migrants, plus de 2000 migrants qui tentaient de traverser, et l'armée, ce n'est même pas n'importe quoi, l'armée marocaine a rafalé sur ces gens-là. D'abord, ils viennent mentir qu'il y a eu 34 morts. Après, la liste sort, en tout cas, il y a plus de 400 morts. Les Ivoiriens étaient en tête. 243 Ivoiriens. Les Camerounais étaient en deuxième position, ça et quelques Camerounais. Et après, il y a maintenant les Sénégalais, il y a les quoi. La liste est sortie. Et bizarrement, aucun de nos chefs d'État n'a osé dire un mot contre ça. C'est bizarre. Vous pensez que c'est quoi? Ces gens-là, ce sont des humains. Pourquoi ils ne parlent pas? Prophétie de Dieu. Mais Dieu soit loué. Quand vous lisez Ésaïe 19, à partir du verset 22, Dieu dit que alors je frapperai les Égyptiens, mais je les guérirai aussi. Et que les Égyptiens se convertiront à l'Éternel. Ils se convertiront à l'Éternel. Ils reviendront à l'Éternel. Bon, on parle des Hébreux, et puis bon, toi tu nous parles des Égyptiens. Quel est le rapport? Le rapport se trouve dans Ésaïe 19, le verset 24 et 25. Parce qu'au temps de la fête, Dieu unit les trois peuples-là ensemble et il fait d'eux une seule et un seul peuple. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 19, 24 à 25. Maintenant, venons-en à notre thème sur les Hébreux en Afrique. Pour prouver que les Hébreux sont en Afrique, alors que l'Afrique est entièrement noire, il faut d'abord identifier ce peuple-là. De quelle couleur est ce peuple appelé le peuple d'Israël? Le peuple hébraïque. Sont-ils des noirs? Sont-ils des blancs? Sont-ils des rouges? Ou sont-ils des jaunes? Nous devons identifier cela. Parce que si Dieu dit qu'au temps de la fin, ils doivent se retrouver au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous savons que tous ceux qui habitent au-delà des fleuves de l'Éthiopie aujourd'hui, ce ne sont pas des blancs. Est-ce que ce sont les blancs qui... Est-ce que le Congo est un peuple blanc? Est-ce que les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans, les Malawites, les Angolais, les Gabonais, jusqu'en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est les blancs? C'est des noirs. Bon, maintenant, si Dieu dit que ces Hébreux-là seront là, mais nous ne voyons pas de blancs là. Alors, une question, nous devons nous poser la question, quelle est même la couleur du peuple de Dieu? C'est là où les gens qui ne nous comprennent pas disent, mais bon, savoir que Jésus soit noir ou blanc, ça nous apporte quoi à notre foi? Attention, vous ne savez pas de quoi parler. Jésus était noir, bibliquement on peut vous le prouver, et on va le faire dans cette conférence. Jésus était noir. Les blancs ont vu ça. Et ils ont vu le succès que ça donnait au peuple noir. Et ils ont délibérément changé l'iconographie de Jésus. Et vous ont présenté un Jésus blanc. Et vous voyez ce que ça leur a fait. Ça leur a donné une ascendance sur tous les autres peuples. Et vous vous trouvez que ce n'est pas important de savoir. Mais si vous avez un problème,
c'est un problème. Simplement, le simple fait d'être congolais et de savoir que le président de la République est de ton ethnie, ça te donne une certaine fierté au-dessus des autres ethnies. Vous savez que ça, moi, je suis en Côte d'Ivoire, c'est la même chose dans tout le pays. A combien plus forte raison quand on dit que ce président-là, il est de ta famille. Même si tu ne l'as jamais vu, même si tu n'as jamais salué, même si tu n'as jamais donné 5 francs. Mais le simple fait de savoir que le président de la République vient de ma famille, tu es fier. Et d'ailleurs, les autres ont peur de toi. Quand tu te présentes là, et puis on dit, vous voyez ce monsieur-là, la famille du président de la République, tout le monde le respecte en même temps. On a peur de lui, on se garde de dire des paroles de pratique devant lui. Donc ça lui donne une certaine suprématie. Et vous me dites que savoir que si Dieu est noir ou blanc, ça n'a pas d'importance. Votre salut, c'est quoi votre salut? C'est quoi vous appelez salut? C'est quoi on appelle salut? La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible n'a jamais dit vous connaîtrez la foi et la foi vous affranchira. La foi vous sauve. Mais vous pouvez être sauvé, vous devenez esclave. Vous devenez pauvre, misérable, c'est ça le cas des Africains. Parce qu'on a choisi la foi, on a refusé l'affranchissement qui est la vérité. Pour être affranchi, pour être libre de tout lien, de tout lien, de toutes les chaînes de la servitude, il faut connaître la vérité. C'est ça que Cheikh Anta Diop avait formulé d'une autre manière. Il dit « à connaissance égale, la vérité triomphe ». Si je sais ce que tu sais, que tu sais ce que je sais, tu ne pourras plus me mentir, moi non plus je ne pourrai pas te mentir. Mais quand je sais ce que je sais, toi tu ne sais pas, je peux te mentir librement et partir. Et tu ne le sauras pas, tu sauras comme moi je serai déjà parti. Vous voyez que c'est grave si nous jouons avec ces choses. Que le Seigneur nous aide. Apocalypse chapitre 2 verset 9. Apocalypse chapitre 2 verset 9 nous dit ceci. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et bien que tu sois riche, et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. Ce verset-là, il est grave. Je me demande si les gens lisent bien leur Bible. Dieu avait prévenu longtemps avant que ça n'arrive qu'il y a un peuple qui allait se substituer au peuple de Dieu. Il dit, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan. Vous savez que les synagogues sont les lieux de prière des judaïstes là-bas. Mais, et Dieu dit, ce sont des adorateurs de quoi? De Satan. D'abord, quand il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Même cette phrase-là nous identifie déjà. L'Afrique est fortement riche, mais c'est nous, les Africains, qui sommes pauvres. Vous ne voyez pas quelque chose là. C'est nous, on est dans la tribulation. Qu'est-ce que vous n'avez pas ici en RDC? Diamant, or, quoi, pétrole, coltan, je ne sais pas quoi. Il y a même des pierres que vous n'avez pas encore découvert. Je ne sais pas. Non, souvent quand les Congolais aussi parlent, ils pensent que c'est eux seuls. Le scandale géologique, c'est jusqu'en Afrique de l'Ouest. Même la Guinée a été prise depuis les années 60 comme un pays à scandale géologique. C'est-à-dire, les richesses qui sont là, en Afrique, vraiment, c'est étonnant. Les blancs ont puisé depuis toutes ces années, c'est comme si chaque fois qu'ils viennent prendre, c'est comme si la nuit, Dieu remplace ça. Et ça ne finit pas. Donc je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Nous souffrons à cause de quoi? Notre richesse. La France, qui n'a même pas un gramme d'or sur son territoire, se trouve être le troisième possesseur de l'or au monde. On appelle ça quoi le vol? C'est quoi on appelle vol? Si c'est pas ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ici Dieu nous prévient
qu'il y a un peuple qui allait prendre la place du peuple élu de Dieu, qui allait se faire passer pour des juifs, mais qui ne sont pas des juifs, mais qui sont des adorateurs de Satan. C'est aussi clair que ça. C'est la Bible qui le dit. Apocalypse chapitre 3, verset 9 encore. 3, verset 9 dira la même chose. Il dit, voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc, Dieu répète la même parole ici pour dire, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas et qui mentent. Quand Dieu dit que quelqu'un ment, prenez ça très au sérieux. Ce n'est pas Dieu. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, 44 que le père du mensonge, c'est qui? Le diable est le père du mensonge car il est menteur depuis le commencement. Voilà pourquoi ici, Dieu les identifie comme des adorateurs de Satan. Les gens de la synagogue de Satan. Et il dit, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Toutes ces paroles-là sont accomplies chez nous ici et personne n'a rien vu. Je profite de l'occasion pour vous dire que je fais beaucoup de vidéos qui sont sur YouTube que vous pouvez retrouver simplement en tapant mon nom, Révérend Akié Dieudonné. Vous allez trouver plein de vidéos. L'une des vidéos, c'est cette phrase-là. Voici, je les ferai venir se procéder à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. C'était ici à Kinshasa. Je crois dans l'un des stades, je ne sais pas, où il y a eu une croisade chrétienne. Où des Occidentaux sont venus ici. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo ici où je peux vous partager pour ceux qui me donneront leur contact. Je peux vous amener ça par WhatsApp. Vous allez voir, les missionnaires, les grands pasteurs de la Grande-Bretagne sont venus. Ils ont dit, bon, nous sommes venus, nous voulons demander pardon au peuple africain pour le mal que nos parents ont fait contre vous dans l'apartheid, dans la terre négrière, dans la colonisation. Ils vous ont tués. Ils se sont mis à genoux. Ils ont pleuré au micro. Mais vous, c'est passé au-dessus de vos têtes, vous n'avez pas su que c'était l'accomplissement d'une écriture. Après eux, les Suisses sont venus se prosterner. Ils ont fait la même chose. Après eux, les Français sont venus se prosterner devant des nègres comme nous. À Kinshasa ici, pour demander pardon pour le mal qu'ils ont fait aux Africains. Que dire dernièrement de la mort de George Floyd aux États-Unis? On a vu des blancs qui venaient en vague pour se prosterner devant les noirs et leur demander pardon. Vous n'avez pas mis une jonction avec les chrétiens. Pourquoi j'ai dit, s'il vous plaît, ne soyez pas des religieux. Aujourd'hui, le christianisme est devenu de la religion. Les gens ne sont plus des croyants. Les gens font simplement de la religion. Parce que si vous ne pouvez pas prendre l'écriture, la parole est connectée avec l'actualité. Parce que la Bible s'accomplit tous les jours. La Bible est une actualité constante. Donc, quand un fait arrive dans un pays, dans une nation, dans une ville, nous devons trouver son rapport avec les Saintes Écritures. Pire, le grand Satan lui-même. Je m'excuse. Je voulais dire simplement que même le pape est allé au Soudan du Sud. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ces images. Il est allé au Soudan du Sud et il est allé se prosterner pour donner baiser. C'est-à-dire ses lèvres, il prend ses lèvres pour toucher les pieds des... Il y avait le premier ministre, il y avait quatre ministres. Il se lève, le vieux là, qui n'a pas assez de force, il s'en va se prosterner et puis les gens même tremblent. Hein? Le pape donne baiser à mon pied. Et ça ne vous dit rien. Le pape se prosterner au pied d'un nègre. Les images sont là. Car
qu'en avez-vous fait, vous prédicateurs? Personne n'a rien vu. On pense que c'est un fait divers. Ce n'est pas divers. C'est pas un fait divers. C'est l'accomplissement d'une écriture. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi je t'ai aimé. Malgré la torture, malgré la tribulation que j'ai sur toi. Mais moi, le Dieu, l'Éternel, je t'ai aimé. Et je leur ferai reconnaître ça. Un jour, je prosterai devant vous. C'est une écriture. Allons plus loin rapidement. Qu'est-ce qui peut amener un peuple à renier sa propre identité et à vouloir prendre, usurper l'identité d'un autre peuple? Il faut qu'on se pose la question, c'est ce que Dieu dit ici, que des gens qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Qu'est-ce qui peut amener un peuple à régler sa propre identité et se faire passer pour un autre peuple qu'il n'est pas? Pourquoi ils ont fait ça? Lisons Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, nous pouvons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Et vous allez voir, la réponse est tellement claire. Romains 9, verset 3 à 4, Paul, l'apôtre Paul dit ici, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Vous entendez, hein? Paul dit « mes parents selon la chair ». Il ne parle pas d'Israël spirituel ici. Il ne parle pas de l'Église. Il dit « mes parents selon la chair ». Qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. L'apôtre Paul dit ici, il parle de sa lignée charnelle, sa lignée biologique. Et il dit ici clairement que c'est aux Israélites biologiques, les Israélites physiques, c'est à eux, c'est à ce peuple-là qu'appartiennent quoi d'abord? L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, même le Christ. Il dit même le Christ qui est issu, il est issu selon la chair de ce peuple-là. Donc vous voyez que toutes ces choses, toutes ces richesses de Dieu, toutes ces bénédictions de Dieu ont été mises dans la main d'un peuple. Et ce peuple s'appelle le peuple d'Israël. Alors maintenant, quand Satan veut ravir l'adoration de Dieu, comme il a échoué au ciel, il est venu sur la terre, il veut quand même aussi être adoré. Il sait qu'il y a un peuple qui détient le moyen d'amener toute la terre à adorer Dieu. Alors il fait quoi? Il se substitue à ce peuple-là. Il usurpe l'identité de ce peuple-là et il fait détourner les yeux de tout le monde vers lui comme étant le peuple élu de Dieu. Alors qu'il a son propre programme dans la tête. Est-ce que tout le monde comprend bien? Je ne sais pas si tout le monde me suit. Voilà la raison pour laquelle un peuple usurpe l'identité d'un autre peuple. Excusez-moi, même chez nous en Afrique de l'Ouest, souvent quand certains pays étaient plus avancés dans le développement, les autres nations qui sont autour là, hein, les gens venaient là pour chercher un peu, hein, pour se chercher. Donc quand ils arrivent là, ils ont même envie qu'on les appelle nationaux. Bon, je ne veux pas tout dire, hein, parce que vous comprenez de quoi je parle. Ça se trouve partout, même chez vous ici. Donc quand on se fait passer pour quelqu'un, c'est en vue de bénéficier de ce que bénéficie cet homme-là dans son état, dans son identité. Alors,
Quelqu'un dira, c'était pour avoir de la prééminence. Parce que le peuple d'Israël, Dieu l'avait choisi comme le peuple qui devait avoir la prééminence. Donc, quelqu'un. C'est pour ça Jésus, dans Jean chapitre 4, quand il parlait avec la femme samaritaine, la femme a dit, mais vous les juifs, vous dites qu'il faut aller dans la montagne et tout ça. Jésus dit, oh femme, calme-toi. Femme, calme-toi, vous les samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des juifs. Vous comprenez ça? Le salut vient des juifs. Donc si le Seigneur lui-même dit que le salut vient des juifs, c'est pourquoi j'ai dit, les gens n'ont qu'à sortir dans la religion. Non, tel a dit que non, Jésus n'était pas juif, Jésus n'était pas hébreu, Jésus n'était pas... Oui, ça c'est des raconteurs, vous ne comprenez même pas dans quel esprit il parlait des saints. Est-ce que lui, il est venu vous prêcher contre la Bible? Il n'est pas venu prêcher contre la Bible, il est venu prêcher la Bible. Et quand il dit ça, vous devez comprendre de quoi il parle. Il veut dire que dans le salut, dans le plan de salut, c'est-à-dire la chair n'a rien à voir. Mais n'empêche que le Messie, quand Dieu s'est fait chair, Dieu est venu dans un peuple. Il est né dans un peuple. Et le peuple dans lequel il est né là, il s'est identifié en tant que ça. C'est pourquoi Jésus peut dire ici, le salut vient de nous les juifs. Il parle de quoi? Il parle de lui-même. Qui était le salut? C'est Christ. C'est Jésus qui est le salut. Et il dit le salut vient des juifs. Et les gens ne comprennent pas ce mélange des pédales. Non, tel n'a pas dit ça, tel a dit que... Garde pour toi. Tant pis pour toi si tu ne comprends pas ça. Prie pour que Dieu t'aide pour ça. Nous ne faisons pas de la religion. Le document de base, c'est ça, c'est la Bible. Tout prophète qui vient, vient pour prêcher la Bible. Donc lui, il apporte la compréhension de la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter la Bible pour suivre le prophète. Le prophète n'a pas jeté la Bible, il tient la Bible. Et puis il ouvre la Bible, il explique chaque partie de la Bible avec la compréhension, puisque lui, il a l'esprit direct de celui qui l'a envoyé. Ne faisons pas de la religion. Ça ne nous permet pas, ça ne nous donne pas le droit d'écarter la Bible et de pas seulement dire. Aucun prophète n'a jamais prêché toute la Bible. Aucun prophète n'a jamais prêché toute la Bible. Chacun vient prendre une partie de ce qui lui a été réservé. Il n'est pas l'équipe s'en va. Est-ce parce que un prophète n'a pas lu une citation, un verset biblique, nous on n'a pas le droit de lire? Attends. Mais dans ce cas, c'est que vous prêchez quoi? Si le salut ne m'inclut pas, moi je n'ai pas besoin de ce salut-là. Si tu viens prêcher un salut qui ne m'inclut pas, que ce salut n'a toi seul qui es sauvé, prends ta chose et va-t'en. Moi-même, je ne peux pas t'aider dedans. Ah oui. Quel est mon bénéfice dans ça? Hein? Moi j'ai été le prophète et puis tu as aimé un prophète qui est sauvé lui seul. Et toi, tu ne veux pas sauver? Ton aide a servi à quoi? C'est sérieux, hein? Que Dieu nous aide. Alors, comme je le dis, un peuple qui s'est substitué au véritable peuple de Dieu, qui s'est fait passer, on appelle ça de l'usurpation. C'est comme moi, j'ai un passeport de l'Afrique de l'Ouest ici, je viens au Congo. Les Congolais sont gentils, ils me font manger, ils me nourrissent bien, ils me m'accueillent bien. Et puis tantôt, bon, j'ai dit non, moi, je suis Congolais maintenant. Et sans passer par la procédure normale, parce qu'il y a une procédure normale. Hein? Je peux même être de l'Afrique de l'Ouest et puis venir ici. Et puis, je selon la constitution du Congo, je peux faire une demande de naturalisation. N'est-ce pas? Et puis bon, la chose suit son cours. Si les autorités trouvent bon de me donner la naturalisation, ils me naturalisent et je deviens Congolais. Mais Congolais sur papier. Mais ces gens-là, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et ils ont usurpé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes bibliques où Dieu dit non, vous avez chassé mon peuple, vous avez vendu mes enfants, les enfants d'Israël, aux enfants des Javans, pour les éloigner de leur territoire, et vous avez pris leur territoire, et ainsi de suite. Plein de versets bibliques le disent. Pourquoi? À cause de ce passage ici. Parce que un peuple. Vous allez me dire, mais quel est ce peuple alors? Pasteur, tu parles depuis là, quel est ce peuple? Mais vous-même, vous ne savez pas que Israël qui est là-bas n'est pas Israël. Hein?
qui est en Palestine là-bas n'est pas Israël, ce n'est pas des Israélites. Ce sont des Israéliens, mais pas des Israélites. Il y a une grande différence entre Israélien et Israélite. Un Israélite l'est par le sang. Il est biologiquement descendant d'Abraham. Mais un Israélien, c'est un naturaliste. Enfin, comment dire, un naturalisé, bien sûr. C'est ce que je voulais dire. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils sont. Ils se définissent eux-mêmes comme étant trois groupes ethniques là-bas, en Israël. Et on les appelle, l'un des groupes s'appelle les Khazars ou les Khazardim. Quand ils le disent dans leur langue, ils disent les Khazardim. Ils disent les Sephardim. Ils disent les Ashkenazim. Donc trois groupes. Quand vous prenez l'un et l'autre, aucun n'a une lignée directe avec Abraham. Donc c'est quoi? Ce sont des usurpateurs. Mais le fait qu'ils ont porté le nom de la nation d'Israël, on les appelle Israël. Donc n'importe qui parle, on dit Israël. Mais en réalité, est-ce qu'ils sont vraiment Israël? Et une autre information avant qu'on évolue. Vous savez que cet Israël-là a été constitué en nation en 1948, n'est-ce pas? Mais déjà en 1897, le groupe sioniste dirigé par Theodor Herzl, qui cherchait un territoire pour créer la nation d'Israël, savez-vous quel territoire ils ont choisi en premier? L'Ouganda tout près. Oh, ça c'est des informations. Même pendant que vous êtes assis, si vous êtes connecté, allez sur Wikipédia. Tapez simplement quand Israël devait s'installer en Ouganda. Vous allez voir un article qui était apparu sur le Figaro où ils ont parlé de ça. Ils ont choisi l'Ouganda pour créer l'État d'Israël en 1897. Ils sont allés voir le premier ministre britannique, puisque cette zone de l'Afrique était contrôlée par les Britanniques, c'était sous mandat anglais. Et l'État britannique leur a accepté. Ils ont envoyé trois précurseurs qui sont venus là, en Ouganda, pour explorer le territoire. Et pendant leur exploration, l'un d'entre eux est perdu dans la forêt pendant une semaine. Ils l'ont cherché pendant une semaine. Quand ils l'ont trouvé, il était presque fou. Quand il a été retrouvé, il lui dit, afin de venir s'installer en Ouganda, plus jamais. Lui, il est allé, il a créé un schisme dans le groupe, il dit que lui, il n'est plus pour cette option-là. Qu'ils n'ont qu'à chercher territoire ailleurs. C'est là qu'ils sont retournés voir le premier ministre britannique pour négocier pour une terre en Palestine. Moi, je vous donne l'information et je vous pose une question à la suite. À supposer que la première option avait marché, qu'on leur avait accordé l'Ouganda pour créer l'État d'Israël. L'État d'Israël aujourd'hui serait où? Ça serait où? Bien sûr, à Ouganda. Ce serait à Ouganda. Du coup, on trouverait la tombe de Jésus à Ouganda. Comme par miracle. On trouverait qu'Abraham a été enterré à Ouganda. Comme par miracle, on trouverait tous les vestiges. On aurait trouvé ça à Ouganda. Parce que pour fabriquer ça, c'est pas possible. La preuve, ceux qui vont déjà en pèlerinage en Israël, tout le monde sait. Il y a trois tombeaux en Israël actuellement. Trois tombeaux de Jésus. Laquelle qui est vraie? C'est devenu du business, s'il vous plaît. Quelqu'un, c'est là, lui, va découvrir un tombeau là, il y a des insignes dedans, ça montre que Jésus a été enterré ici. Donc le pèlerin se dirige chez lui, les gens payent pour aller regarder. Il y a trois tombeaux de Jésus en Israël. Je vous laisse ça à la réflexion. Ce peuple-là, un peuple de menteurs. Menteurs. C'est Dieu qui dit ça, c'est pas nous. Des menteurs capables de fabriquer des preuves pour soutenir leur mensonge. Pourtant, c'est un mensonge. Allons vite. J'ai dit que pour se situer, nous devons chercher à connaître quel est l'état racial des Hébreux de Dieu. Parce que si Dieu dit qu'ils vont habiter au temps de l'Afrique, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous regardons parce que les médias
les médias internationaux, les livres que les gens écrivent, tout ça montre que Israël, ce sont ceux qui sont en Palestine et on voit qu'ils sont des blancs. On dit qu'ils étaient en Pologne, ils étaient en France, ils étaient en Russie, et pendant la guerre mondiale, voilà, il y a eu l'Holocauste, on les a persécutés, on les a tués, donc ils ont, finalement, ils sont revenus sur notre territoire. Et je veux bien croire ça. Permettez-moi de donner une petite anecdote encore avant qu'on aille là-bas. Donc, le plus grand assassin dans le monde que tout le monde brandit, c'est qui? Hitler. Merci mon frère, on dit Hitler. Que Hitler a tué combien de juifs? 6 millions de juifs, d'accord. Et c'est lui le plus grand assassin, selon les médias menteurs. Je veux parler à mes frères congolais ici. Pour ceux comme le papa là qui a 70 ans aujourd'hui, s'il a la mémoire fraîche, je crois que beaucoup de choses vont lui revenir. Il y a un autre papa que je vois ici qui doit être aussi dans cette vague de personnes. Si Hitler a tué 6 millions de juifs et qu'il est le plus grand assassin, que dirons-nous de Léopold II, roi des Belges, qui a tué, selon les chiffres reconnus, les chiffres reconnus officiellement, on dit 10 millions de Congolais. Mais quand les Blancs reconnaissent avoir tué 10 millions de personnes, il faut multiplier ça au moins par minimum. Ça veut dire au moins 20 millions de Congolais ont été tués par ce dernier-là. Mais lui, il est héros en Europe. On a érigé des monuments pour le roi, Léopold II de Belgique, comme un héros. Lui, il a tué 10 millions de Congolais. C'est un saint. C'est un héros. Et Hitler a tué 6 millions de juifs. Lui, c'est un démon. Est-ce que nous arrivons de réfléchir à ça? Que dire de Napoléon, qui a tué des centaines de millions au monde? On n'en parle pas. Napoléon est un héros pour les Français et pour les Européens. Un héros. Parce que les gens qu'il a tués là, ce n'étaient pas les Blancs. Allez, quand on tue d'autres peuples, on est un héros. Quand on tue un seul Blanc, on est un démon. À vous de comprendre le reste. Nous allons maintenant nous établir sur la race du peuple de Dieu. Les Hébreux de Dieu, selon la Bible, là, ils sont de quelle couleur? Si tu me dis que ça n'a pas d'importance, je vais t'expliquer après. Merci mon frère. Merci papa. Il m'a donné une photo. Il dit qu'il va expliquer ça un peu après. Je crois que ce que je viens de dire de l'histoire du Congo, ça a déjà touché. Bien. Prenons maintenant Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13. Nous lirons à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Ici, nous allons rechercher quelle est la couleur de peau des Hébreux dans la Bible. La couleur de peau. Vous allez me dire que ce n'est pas important. Après tout ce que j'ai dit là, si vous dites que ce n'est pas important, vous avez un problème avec votre cerveau. Oui, c'est sérieux. Ne jouons pas avec cette chose-là. Les gens font de la religion au lieu de la foi. Bien, lisons. Lévitique chapitre 13, à partir du verset 9. La Bible dit, « Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, on dit bien une tumeur blanche, donc c'est une lèpre blanche. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Verset 12. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds,
partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Verset 13. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il le déclarera, il déclarera celui-ci, celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Regardez la dernière phrase. Comme il est entièrement devenu blanc, alors il est pur. Mais le jour où l'homme apercevra en lui la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure. C'est la lèpre. Si la chair vive change et redevient blanche, il ira vers le sacrificateur. Regardez bien, on a lu, hein, vous n'avez pas fait attention, mais moi j'ai trouvé une clé, une grande clé ici, pour déverrouiller l'énigme. La Bible dit que il y a une maladie qu'on appelle la lèpre blanche. Ne confondez pas avec la lèpre ordinaire qui coupe les doigts des gens, qui souvent ronge le nez, qui enlève une lèpre infectieuse. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La lèpre blanche, s'il y a un médecin ici, je m'excuse, mais il ne me contredira pas parce que c'est ça qui est la vérité. Cette lèpre blanche dont la Bible parle ici, ça s'appelle dans la médecine contemporaine, on appelle cela le vitiligo. Le vitiligo, c'est aussi l'albinisme partiel. Vous pouvez préparer déjà les images. Voilà ce qu'on appelle la lèpre blanche. C'est ça qu'on appelle le vitiligo. C'est ça l'albinisme partiel. C'est-à-dire, un albinos, c'est un nègre, un noir, mais qui a une peau blanche. Maintenant, l'albinisme partiel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est noir comme vous et moi, et une maladie le prend et commence à absorber toute la mélanine de sa peau. Et les parties deviennent des taches blanches, 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 comme un léopard. Mais cette maladie, elle peut progresser. Quand elle progresse, elle finit par effacer toute la mélanine de votre peau et tout votre corps devient entièrement blanc. Donc, vous êtes né noir, mais la maladie peut vous rendre blanc entièrement. Et la Bible dit, comme il est entièrement devenu blanc, Dieu parlait à qui? Au peuple d'Israël. Suivez bien, c'est une loi donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. Maintenant, je vous pose la question. Quelqu'un qui serait devenu entièrement blanc, il était de quelle couleur au départ? Noir. Ah, c'est pas moi qui ai dit, hein. Sinon, si vous pensez que les Hébreux sont blancs, comment quelque chose qui est blanc peut devenir entièrement blanc? Je vous dirai, si quelqu'un conteste, je lui donne cette feuille-là. Quelle couleur? Blanche. Mon frère, tu peux blanchir cette feuille? Quelqu'un peut me blanchir cette feuille? Impossible. Impossible. Pour quelle raison? Elle est déjà blanche. Si quelqu'un est déjà blanc, il ne peut pas devenir encore entièrement blanc. Ça veut dire que sa couleur d'origine était tout autre que le blanc. Donc, si ceci n'est pas une preuve pour vous, je ne sais pas de quoi il est question. Non, ne. Montre-moi quand ils deviennent entièrement blancs. Regardez la chose là, regardez cette femme là. Non, il faut remonter un peu là, où ça a commencé. Où ça a commencé sur elle là. Elle a fait les mains comme ça là. Hein? Il faut montrer, parce que ça a commencé un peu et ça a commencé à faire un peu plus vite. Voilà. Vous voyez, cette maladie, ça a commencé sur cette dame là. Vous voyez comment c'était? Maintenant, reviens sur l'image. Vous voyez maintenant, quand ça a évolué. Ça a évolué comme elle est devenue. Maintenant, montre-moi un albinos complètement démuni de mélanine. Complètement démuni de mélanine. Homme et femme, c'est là plus. Il faut. Voilà. Et regardez ça. Vous croyez que c'est une blanche? Est-ce que celle-là, c'est une blanche? Mais est-ce qu'elle est noire?
Elle n'est pas noire, mais elle n'est pas blanche. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Elle a une peau blanche, mais elle a des traits négroïdes. Parce que c'est une Africaine. Elle est négroïde. Négroïde, ça veut dire qu'elle a des cheveux crépus, qu'elle a des nez, un nez écrasé, des lèvres bouffues. Hein? Elle a tous les critères, toutes les caractéristiques d'un nègre. Mais seulement, sa peau est blanche à cause de quoi? De l'albinisme. Elle est née albinos. Donc, quelqu'un qui est noir et qui devient blanc, quand cette maladie prend quelqu'un qui est noir, ça enlève toute la mélanine de sa peau et il devient entièrement blanc. Déjà, ça, c'est un signe qui montre que le peuple d'Israël était noir. C'est aussi simple que ça. À moins que vous ayez une autre compréhension de ce texte-là, là aussi, je vous attends. N'est-ce pas? Oh là là, c'est intéressant, n'est-ce pas? Bien, maintenant, ceci étant dit, vous allez comprendre maintenant certains textes bibliques que vous avez toujours lus pendant des années sans jamais comprendre. D'où Exode chapitre 4, le verset 6. Exode 4, le verset 6. Préparez-moi les mains blanchies de Moïse. Ici, l'Éternel lui dit, c'est-à-dire Moïse, quand Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, Dieu parle à Moïse en lui donnant deux signes. Le premier signe, il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, c'est un bâton. Il dit, jette-le à terre. Il le jette, il dit, ramasse-le. Quand il l'attrape, ça devient un serpent, n'est-ce pas? Le deuxième signe, c'était quoi? Il dit, mets ta main dans ton sein. Mets ta main dans ton sein. Il dit, enlève-le. Quand il enlève la main, lui-même, il est surpris de sa propre main qui a changé de couleur. La Bible, on va lire maintenant. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche, s'il vous plaît. On précise toujours pour montrer que c'est différent de la lèpre ordinaire que vous connaissez. Donc, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Projette-moi les mains blanches de Moïse. Donc, vous voyez ça? Non, les mains, il y a des mains même, il y a des mains, spécialement des mains. Soit rapide, ou... Voilà, ça, ceci. Mais pourtant, tu m'avais dit que tu avais tout, hein. Je voudrais que ça soit projeté pour que les gens puissent bien voir de quoi il est question. Alors, maintenant, Moïse met sa main dans son sein. Quand il ressort sa main, alors on trouve, regardez ça, même si l'écran est petit, mais vous pouvez voir ça à partir de mon écran. Vous voyez un peu ça? Hein? Tout le monde voit? Ce sont les mains d'une personne noire. Mais c'est pas à partir des mains seulement, la blancheur a commencé à partir des mains. Alors, pourquoi j'illustre ça par des images? Pourquoi j'illustre ça par des images? Pour permettre aux gens de bien comprendre l'écriture que nous lisons. Parce que quand nous lisons, nous avons notre imagination. Et souvent, notre esprit s'en va capter autre chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors ici, maintenant, quand nous voyons ça, nous comprenons. La Bible nous dira que Moïse, quand Dieu l'a appelé pour aller libérer le peuple d'Israël, Moïse, quand il a quitté le désert, il n'est pas allé directement chez Pharaon. La Bible nous dit que Moïse a rencontré son frère Aaron et les deux sont partis à Goshen. Ils ont d'abord rassemblé tous les enfants d'Israël qui étaient au nombre de 600 000 hommes de pied. Et ils ont fait d'abord la manifestation, ils ont démontré ce que Dieu a donné à Moïse comme puissance. Moïse a jeté le bâton devant tous les 600 000 personnes.
et le bâton est devenu serpent. Moïse a mis sa mère dans son sein et il a sorti la mer pour montrer la mer devenue blanche. Tous les Israélites ont vu d'abord. Parce que celui que tu, ceux que tu veux aller délivrer, là, il faut qu'ils soient convaincus que vraiment Dieu t'a commissionné. Parce qu'ils connaissent déjà la puissance de Pharaon. Maintenant, imaginez, vous-même qui êtes dans la salle ici, la salle n'est pas assez grande que ça par rapport à 600 000 personnes qui seraient devant moi et que moi, imaginez que je sois Moïse et que je jette le bâton devient serpent. Ça, au moins, le serpent est en train de faire les gestes, de loin on peut voir. Mais imaginez que Moïse soit blanc. Comme vous avez toujours pensé que les Juifs sont blancs. Si Moïse était blanc, et puis, maintenant, il met sa main ici et sa main devient blanche. Sa main devient blanche et puis il va lever sa main pour montrer que sa main est blanche. Combien de personnes ici verront la différence de la blancheur de la main de Moïse, puisque le corps de Moïse est diable? Vous ne voyez pas qu'il y a toujours une image là. Moïse devait être un homme noir pour que cette blancheur soit une grande différence. Donc même quelqu'un qui se trouve au loin là-bas, quand Moïse et sa main noire se lèvent comme ça, tout le monde voit que la main est noire. Mais quand Moïse fait comme ça, qu'il revient, la main devient blanche. On voit la différence de la couleur de la peau et tout le monde sait qu'un miracle s'est produit. Si ceci n'est pas une preuve, une clé pour montrer que les Hébreux sont noirs, alors j'attends vos preuves vous aussi. Pour le contraire. On va avancer. Prenons quelqu'un dans la Bible qu'on a toujours lu sans jamais faire aussi attention. Salomon. Prenez Cantique des Cantiques, chapitre 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Le verset 10 au verset 15. Avant de lire cette écriture, je vous avertis que j'ai une vidéo sur YouTube que j'ai intitulée David et Salomon étaient des blancs et des noirs albinos. David et Salomon étaient des noirs albinos. Là, vous trouverez toutes les preuves. Je n'aurai pas le temps de rentrer trop là-bas, mais je vais prendre un aperçu pour comprendre ce que je suis en train de dire ici. Donc, lisons Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10 à 15. Là-bas, il est dit ici. Ça, c'est Salomon qui chantait des cantiques avec sa fiancée. Ça, tout le monde sait ça. La Shulamite. Donc, il chante un chant et la femme lui répond par un chant d'amour. Et regardez, maintenant, la femme répond au verset 10 ici. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans du lait. Jusqu'au verset 14, il dit, ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Pourquoi je prends ce texte? Je viens de dire que les Hébreux de Dieu sont noirs. On vient de donner la preuve. Mais on voit que David, ou bien Salomon, qui est aussi un Hébreu, sa fiancée chante ses louanges en disant « Mon bien-aimé est blanc comme vermeil. » Donc, pourquoi laquelle tu dis que les Hébreux sont noirs? Mais comment se fait-il que Salomon, lui, il est blanc? Où est la question? Il est blanc et vermeil. Il est distingué entre 10 000. C'est-à-dire, quand Salomon est quelque part, même s'il y a 10 000 personnes qu'on met Salomon au milieu, de loin même déjà vous le distinguez. Lui, il a une apparence différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au milieu d'un peuple noir, il y avait quelqu'un de couleur. Or, nous avons nos propres blancs ici. Ce sont les albinos. Est-ce que tu peux me projeter un parmi les mille? Non, c'est pas ça. Un d'entre les mille. Voilà un petit garçon
au milieu des autres garçons. Où est sa différence? Il est albinos, lui il est albinos, il est au milieu des autres enfants. Donc pourquoi vous allez zoomer comme ça? On ne voit pas les autres, ce n'est pas son visage qu'on veut voir, on veut le voir au milieu des noirs, des autres enfants. Hein? Il y a beaucoup d'images comme ça, faites-moi défiler ça rapidement pour qu'on gagne un temps. Est-ce que vous pouvez regarder mon écran ici? Où est ce garçon? Même Donando, hein, au milieu des autres, vous voyez pas la différence? La différence est nette. Est-ce que c'est un Français? Est-ce que c'est un Allemand? C'est pas un Occidental, c'est un Africain. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Sa peau. Sa peau. Pourquoi? C'est un noir albinos. Bon, c'est un négroïde albinos. C'est-à-dire un Africain, mais à la peau blanche. C'est-à-dire dépourvu de mélanine. Mais quand vous regardez le visage, il a un nez d'Africain, il a des lèvres africaines, des cheveux crépus africains. Il n'est pas blanc. Sa peau est blanche. Mais il est négroïde. C'est ça qu'on appelle un albinos. Donc Salomon marquait sa différence par rapport à ça. Salomon, même David. On va arriver sur les textes bibliques. Bon, ceux qui croient au prophète, par exemple, le prophète a parlé aussi. Il a dit la même chose. C'était un enfant blanc. Il dit qu'il était au teint rosé. Tout ça, ça montre que c'était un albinos. Regardez cet enfant encore au milieu des enfants plus nombreux. Vous voyez un peu? Vous qui êtes au loin, vous suivez? Il est distingué d'entre 10 000. Je vous avance encore, voilà encore une autre image qui est encore plus parlant. Vous voyez ça? Un monsieur albinos au milieu des autres noirs. Vous voyez la différence? Donc, quand la femme dit « Mon bien-aimé est blanc et vermeil », ça ne voulait pas dire que Salomon était blanc européen. Non. Parce que l'Africain aussi peut être blanc. Et cette blancheur, ça s'appelle l'albinisme. C'est ce qu'il était. Et c'est ce que David était. Et David et Salomon étaient des albinos. Tout simplement. Je vais gagner un temps, sinon il y a beaucoup de commentaires à faire ici, mais je vais gagner un temps. On avance, on va prendre le même David lui-même, dans Ésaïe, pardon, dans 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, verset 11 à 12. 1 Samuel chapitre 16, verset 11 à 12, pour parler de l'albinisme de David. Là, il est dit ici, le jour où Samuel le prophète est allé chez Ésaïe pour choisir un roi pour Israël, en remplacement de Saül par exemple. Il rentre là et il demande à Ésaïe de faire venir tous ses enfants et lui, il va choisir, selon l'Éternel, qui sera le prochain roi sur Israël. Et on voit que Ésaïe envoie ses enfants, il en met un. Expressement, il cache, il ne veut pas qu'on voit l'autre. Et celui qui ne voulait pas présenter, c'est lui qui s'appelait David. Et donc, je vais lire le texte maintenant. Puis Samuel dit à Ésaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie le chercher, car nous ne nous déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12, écoutez la phrase, c'est en français, t'as dit ici. Écoutez la phrase qui va sortir ici maintenant. Le verset 12. Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond. Je crois que nous parlons français. Pourquoi le mot or? Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux
et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est lui. Quand on dit, oh, il était blond, cela justifie pourquoi Isaïe même le cachait. Vous savez que même en Afrique actuelle, même aujourd'hui, en 2022, certaines familles regardent comme une honte d'avoir un enfant albinos. C'est une honte pour eux. Ils pensent que ce n'est pas normal. Cet enfant n'est pas normal. Je n'aimerais pas avoir un enfant albinos. Donc quand vous avez certains qui ont un enfant albinos, ce n'est pas une fierté pour eux. C'est pourquoi la Bible dit, or il était blanc. Or il était blanc. Quoi qu'il était joli de visage, mais il était blanc. Ça veut dire qu'il était albinos. C'est pour cette raison que Isaïe ne croyait pas que Dieu peut choisir un homme comme ça. Mais bizarrement, c'est lui que Dieu a choisi. Comme quoi l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ok? Avançons encore. 1 Samuel 17, le verset 41 à 42. Quand ce David maintenant va aller affronter Goliath sur le champ de bataille, regardez ce que Goliath aussi va constater sur David. Et nous lisons verset 11 et 41 à 42. 1 Samuel 17, 41 à 42. Il dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond. Est-ce que c'est clair? Ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Donc, pourquoi Goliath a méprisé David? Pas seulement parce qu'il était petit, pas parce qu'il était trop jeune, mais il dit, il ne voyait en lui qu'un moins grand guerrier entraîné à la guerre. Et on m'envoie d'abord un jeune homme qui ne me vaut pas dans le combat. Et puis de surcroît, pour m'insulter, c'est un albinos. C'est-à-dire les rejetés de la société là. C'est ça qu'on m'envoie pour le combat. Attends, les Israélites là, ils veulent m'insulter combien de fois? Donc il dit, il ne voyait en lui qu'un enfant blond. Un enfant blanc, ça veut dire un enfant albinos. Donc, David était albinos. Salomon l'était aussi. Avançons. Pourquoi je m'attarde sur l'albinisme? Parce que l'albinisme est plus visible quand c'est sur un Africain. Ça attrape aussi les blancs. Hein? Mais puisque le blanc est déjà blanc, quand c'est sur sa peau, ça ne se constate pas. Sinon, ça attrape les blancs aussi. Donc je ne veux pas dire que l'albinisme est seulement pour les Africains. Mais je veux dire que c'est plus visible quand c'est sur la peau d'un Africain parce que l'Africain, lui, est déjà noir. Donc comme il est noir et que l'albinisme efface la noirceur, donc du coup, le changement est tellement radical que c'est visible et c'est frappant sur l'Africain plus que sur l'Européen. Alors, allons plus loin. Nous allons toucher un autre cas qui est sérieux. 2 Samuel chapitre 14, le verset 25 à 26, pour montrer toujours que le peuple hébreu, le peuple élu de Dieu, ceux qu'on appelle Israël, c'est des noirs, c'est pas des blancs. Hein? 2 Samuel 14, le verset 25 à 26, seulement deux versets. Je le lis. Écoutez bien ici. La Bible parle d'un des fils de Salomon, d'un des fils de David qu'on appelait Absalom. Et tout le monde connaît, les grands lecteurs de la Bible connaissent Absalom. C'est lui-même qui a fini par chasser son père du pouvoir, qui voulait arracher le trône de David, son père. Il a été tué par Joab. Bon, la Bible ici, il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la pointe du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Le verset 26-23 dit ceci. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids
des cheveux de sa tête étaient de 200 cycles poids du roi. Pardon, technicien? Non. Pendant que tu prépares ça, le poids là, j'ai manqué de noter. On avait calculé, c'était 3 kilos, quelque chose. 3 kilos 200. Je viens du roi. Maintenant, regardez, la Bible dit que Absalom était le plus beau, le plus bel homme de tout Israël et qu'il gardait ses cheveux. Il ne se coiffait qu'une seule fois l'année. Et pour quelle raison? Il se coiffait l'année parce que quand il laissait ses cheveux pendant un an, ses cheveux lui pesaient trop lourd. Et la Bible donne le poids de ses cheveux. La Bible dit, ses cheveux pesaient 200 cycles poids du roi. 200 cycles. Quand on calcule 200 cycles, vous vous imaginez qu'un Africain a sur sa tête des cheveux qui lui pèsent 3 kg 200. 3 kg 200. Aïe! Bon, vous ne voyez pas ce que ça fait. Mais moi, je vois ici toute une révélation. Pourquoi? Parce que, projetez-moi maintenant les cheveux. D'abord, les cheveux de cet homme-là qui a... c'est génétique. Regardez, un blanc. Si vous prenez un blanc, n'importe quel blanc. Même s'il laisse ses cheveux pendant 5 ans sans se coiffer, ça va s'allonger. Ça peut s'allonger pour traîner à terre, mais ça ne pèsera jamais. Parce que les cheveux de l'homme blanc, c'est fin. Et c'est lisse. Regardez un peu ce monsieur-là. Aujourd'hui, on a des problèmes. Hein. Vous n'êtes pas concomitant avec moi. Et ça va me faire perdre du temps. Regardez les cheveux de cet homme-là. Un nègre. Regardez ses cheveux. Il y en a encore. Avancez. Tu recules. Et puis, pourquoi est-ce que vous oubliez ça? Ça se fait automatiquement. Ah, c'est le projecteur qui fait ça. Bon, allez sur les cheveux de l'homme blanc, alors. Oh, vraiment. C'est pas ça. On a déjà perdu assez de temps. Si encore je dois perdre du temps ici, c'est pas bon. Oh, il faut bien que les gens voient ça. Alors, les cheveux pesants ne sont qu'africains. Pour que les cheveux pèsent, c'est africain. Pourquoi vous êtes bloqué? En fait, on a un problème avec l'ordinateur. Le logiciel qui est dedans ne permet pas de voir les images avant de les projeter. Projecteur pour qu'il puisse régler le projecteur. Ah, vraiment. Bon, trouvez-moi alors les cheveux des hommes blancs là. Et on va faire vite pour passer. Parce que là, il y a beaucoup d'images. Hein. Regardez un peu ça. Je suis obligé de vous montrer sur mon petit écran. Vous voyez cet homme-là, avec sa fille. Génétiquement, ils ont des cheveux exorbitants. Vous voyez ça? Leurs cheveux se développent de façon incontrôlable. Et une chevelure comme ça, ça vous permet de comprendre ce que la Bible dit de Absalom dont on vient de lire. Vous savez que Absalom, le jour où il devait mourir, il a défié son père David à la guerre. Et c'est Joab qui l'a poursuivi, pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible. Joab a poursuivi Absalom. Et la Bible dit Absalom était sur le cheval, il courait à toute vitesse. Et Joab derrière lui. Et il est allé entrer dans un arbre, dans les branchages d'un arbre épineux. Et comme il avait beaucoup de cheveux, et que ses cheveux lui pesaient, alors les branchages de l'arbre sont rentrés dans ses cheveux. Et
ça l'a accroché à l'arbre, le cheval est passé et il est resté balancé, c'est-à-dire l'arbre a attrapé ses cheveux. Imaginez que l'arbre rentre dans les cheveux de quelqu'un et il reste suspendu avec tout son poids. Vous imaginez le volume de ses cheveux. Et il est resté suspendu, balançant là. C'est là que Joab est venu le trouver. Il était et finalement presque désarmé. Et donc Joab a l'a tué facilement. Vous pensez qu'un blanc. Je vais montrer les cheveux de l'homme. Les cheveux de l'homme blanc. Et vous allez me dire, est-ce que ces cheveux-là pouvaient être retenus par les branchages de l'arbre? Regardez cet homme-là. Hein? C'est tellement lisse que même quand ça rentre, si ça passe, ça va friter. Et puis il est passé. Contrairement à celui qu'on a vu tout à l'heure, le négroïde dont les cheveux sont touffus et crépus. C'est dur. C'est comme des cordes. Regardez ce blanc-là aussi. C'est pareil. Voilà pourquoi les blancs, même le nouveau protocole qu'on envoie là, ça va troubler beaucoup de personnes. Quand la Bible parle des tresses, quand Paul parle des tresses, il se réfère au peuple hébreu. Les tresses sont africaines. Vous savez qu'un blanc ou une femme blanche, quand on la tresse, peu importe la tresse qu'on fait, quand on a tressé les cheveux d'une femme blanche, ça ne peut pas durer 24 heures. C'est tellement lisse que ça se défait seul. Par contre, les cheveux d'un homme noir, quand on a tressé là, même le jour de défaire, c'est problème. Vous savez ça, non? Et quand un homme noir, qu'il soit homme ou femme, ne se rase pas, ne se coiffe pas, et laisse naturellement ses cheveux pousser, même s'il ne tresse pas, même s'il ne fait rien, il laisse ses cheveux comme ça, il ne les peigne pas, il ne fait rien, ça finit par devenir... Ça s'empile, on appelle ça des locks. Locks ou braids. N'est-ce pas? C'est là où vous allez voir, je vais lire un autre texte et puis je vais vous montrer ce qu'on appelle les locks et pourquoi et comment ça devient comme ça. Et tout ça pour montrer un peu ce que représente... vous connaissez l'histoire de Samson, non? Combien connaissent l'histoire de Samson? La Bible dit que Samson avait combien de tresses sur sa tête? 7 tresses. Maintenant, vous qui avez regardé les films hollywoodiens, ils ont tourné les films de Samson. L'acteur principal qu'on appelle Samson dans le film Hollywood, est-ce qu'il a 7 tresses? Non. Il n'a pas 7 tresses. On prend un bandeau, on attache sur sa tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que les Hébreux authentiques sont noirs. Comme le blanc ne peut pas avoir 7 tresses. Parce que quand on tresse, ça se défait. Donc l'auteur là même ne peut pas tresser. Il a beaucoup de cheveux, hein? On ne peut pas tresser. Quand on finit de tresser, ça se défait. Donc ils sont obligés de prendre un bandeau pour attacher sa tête. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Samson avait 7 tresses. Parce qu'il est né, il est un Nazirien. Un Nazirien, c'est celui-là dont il est né. Et les parents ont fait la promesse de ne jamais passer le rasoir sur eux. Sa tête. C'est ça le Nazirien. Donc imaginez un Africain qui est né, depuis qu'il est né, jusqu'à peut-être l'âge de 30 ans, on n'a jamais rasé ses cheveux. Vous croyez que ces cheveux-là deviennent quoi? Ce n'est pas une femme aussi, c'est un homme. Vous pensez que lui, naturellement, ses cheveux vont ressembler à quoi? C'est pourquoi regardez cette image. Regardez ça sur mon petit écran. Vous voyez ça? Ah, c'est affiché maintenant, merci. Voilà à quoi Samson, qui est venu régler le... Qu'il revienne nous faire ça, parce que c'est réglé trop haut. Le projecteur est réglé trop haut. Alors, voilà à quoi ressemblait Samson. Il fallait que Samson soit un noir pour avoir des locks en cette tranche. Voilà de quoi il est question. On avance encore. L'image suivante, celle-là. Oui, il va régler. Merci. Il va nous régler le projecteur. Oui, c'est à votre niveau. Là-bas.
c'est bon comme ça. Ça, c'est bon. Ok. Vraiment, vous qui nous suivez de loin, nous nous excusons, ce sont les aléas, voilà, du direct. Vous devez supporter avec nous. Mais je crois que ça va maintenant. Ça va, non? Oui. Là, comme ça, c'est... Donc, vous voyez un peu. Et regardez, les tresses sont bien distinguées. On peut les compter. On peut compter les tresses de cet homme-là. On appelle ça les dreads, les locks ou les dreads. Et juste une petite parenthèse. Imaginez aujourd'hui qu'un monsieur comme ça s'élève et rentre dans votre église de pasteur. Qu'est-ce que vous dites? Non, on ne veut pas. Ça, là, ça, c'est les rastas. Ça, on ne veut pas de ça ici. Il faut sortir de l'église parce que ça, c'est pas chrétien. C'est quoi qui est chrétien? Dites-moi, c'est quoi qui est chrétien? Les cheveux ont quoi à voir avec le Saint-Esprit? Ces cheveux-là, ça fait quel mal? On a un problème, hein. Et pourtant, ça, c'est l'écriture. C'est ça qu'on appelle le naziréat. C'est ça qu'on appelle le naziréat. Imaginez un Africain qui a fait le naziréat, qui promet à Dieu de ne pas passer la joie sur sa tête. S'il est un homme, au bout de 10 ans, simplement 10 ans, ses cheveux vont ressembler à quoi? Vous croyez que vous pouvez peigner vos cheveux crépus là tous les jours pendant 10 ans? Vous croyez? Demandez à nos mamans qui laissent leurs cheveux pendant 3 ans, 4 ans et qui sont obligées de peigner. Elles sont obligées d'aller friser parce que tu ne peux plus. Ça devient dur que quand tu tires, ça te donne les maux de tête. Donc, si c'est un homme, il est obligé de laisser les cheveux se ranger en locks. Au moins, quand c'est rangé en locks, il n'aura plus besoin de mettre le peigne dedans. Donc, il va les laisser se trancher en locks, ce qu'on appelle les dreads. On a censuré les pauvres personnes qui portent les locks à cause de Bob Marley. On dit non, Bob Marley avait des locks, ils fumaient des drogues. Mais il y a des gens qui n'ont pas de cheveux, ils fument drogue. Vous faites pas avec ça. Donc si le rentre aussi, les cocotailles, chez nous encore, ils vont dire cocotailles. C'est-à-dire quelqu'un qui. Vous dites le rat Congo, non? Le rat Congo. Quelqu'un qui a fait rat Congo, c'est-à-dire il rase tous ses cheveux, il n'a plus rien sur la tête. Donc quand lui il rentre à l'église... Comme les nous autres là. Hein, comme vous, c'est les vrais chrétiens. On dit, ah, ça c'est un saint, ça c'est un vrai chrétien. Mais quand il a des cheveux comme ça, on dit c'est un drogué. Qui vous a dit ça? Qui a dit ça? Vous voyez qu'on a fait, on a fabriqué de la religion au lieu de faire la foi. Et pourtant ça c'est l'écriture. C'est à ça que ressemblait Samson. C'est à ça que ressemblait Samson. Et c'est comme ça. Il se peut même que Absalom même était aussi comme ça. Amen. Parce que pendant un an, pour que ses cheveux pèsent 3,2 kg. Mon Dieu. Je me demande si ce monsieur-là même, ses cheveux valent 3,2 kg. C'est pas certain. Donc, quelqu'un dont les cheveux pèsent 3,2 kg, vous imaginez le volume de ses cheveux. Alors, voilà un peu, il y a beaucoup de textes, mais je vais avancer rapidement parce qu'il faut qu'on atterrisse. On a accusé beaucoup de retard, mais il faut bien qu'on atterrisse pour permettre aux gens de pouvoir poser leurs questions. Alors, je vais avancer rapidement pour toucher quelque chose. Bien. Prenons Lamentations chapitre 4. Lamentations chapitre 4, le verset 1, le verset 1 à 2 et le verset 8. Lamentations chapitre 4. Bon, pour gagner un temps ici, Lamentations 4, le verset 2 nous dit que les fils de Sion, les enfants de Sion, estimés à l'égard à leur pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre ou ouvrages des mains du potier. Donc ici, la Bible parle des enfants de Sion. Les enfants de Sion, c'est qui?
Hein? C'est les Hébreux. C'est le peuple élu de Dieu, c'est eux qu'on parle. Donc la Bible dit les enfants de Sion. Au verset 8, la Bible dit leur aspect est plus sombre que le noir. Les enfants de Sion, c'est-à-dire les Hébreux. Les enfants hébreux là. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. C'est-à-dire, quand Dieu a commencé à les frapper de malheur, qu'ils ont commencé à souffrir, la Bible dit que leur peau même est devenue encore plus sombre. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui peut être plus sombre que le noir? Le mot sombre veut dire noir. Hein? Maintenant, la Bible dit, leur aspect dans leur souffrance est devenu encore plus sombre que le noir. Qu'est-ce qui existe qui soit plus sombre que le noir? C'est le noir lui-même. Donc vous voyez que tous ces versets bibliques sont en train de nous prouver que les enfants d'Israël ne sont pas de peau blanche. Ils ne sont pas de peau jaune ni rouge. Ils sont de la race noire. Avançons encore, prenons un autre texte, Job. Vous êtes d'accord avec moi que Job est un prophète de la Bible? Et donc par conséquent, il est un hébreu. Job est un hébreu, un enfant d'Israël. Maintenant, écoutez ce que Job va dire dans Job chapitre 30. Job chapitre 30. Nous allons lire le verset 28 et le verset 30. Job dit au verset 28 du chapitre 30, je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Vous savez que Job a connu un moment de souffrance, non? C'est-à-dire, le diable a tué ses enfants, le diable a tué ses troupeaux, et finalement, le diable l'a rendu lui-même malade. Et dans sa maladie, la Bible dit, il a souffert. Il se grattait la peau, il y avait des ulcères et tout ça. Et il a souffert. Dans cette souffrance-là, Job dit, je marche noirci. Mais non par le soleil. Ça veut dire, Job est en train de dire, ce n'est pas le soleil qui m'a rendu noir. Hein. Je suis naturellement né noir. Et la maladie maintenant est venue encore ajouter. Sinon, Job n'est pas devenu noir parce que le soleil l'a rendu noir. Job dit, je suis noir, mais non par le soleil. Et il dit, ma peau noircit et tombe. Dites-moi, un blanc, même dans sa misère, est-ce qu'il peut devenir noir? Un blanc dans sa misère devient pâle. Il ne devient pas noir. Mais nous qui sommes ici, là, quand qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur-là? Il a noirci, il est devenu bizarre. Non, ah, tu ne sais pas qu'il a été malade? Il a été longtemps malade. Vous voyez un peu, non? Mais c'est ce que nous vivons, non? Quand nous tombons africains, quand on tombe malade, qu'on souffre tellement, on devient encore plus noir. Job est en train de parler. Donc Job nous montre, de par lui, sa couleur, la couleur de son peuple. On est d'accord? Que Dieu soit béni. Alors, maintenant, revenons à Moïse et puis on va clôturer là. Moïse, le grand prophète de la Bible. J'avais dit de projeter un peu l'image des Égyptiens antiques. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Tu peux me projeter quelque chose rapidement? Les Égyptiens antiques, même les pharaons, n'importe qui, pour qu'on voit la similitude. Aujourd'hui, hormis les ignorants, ce n'est plus un secret pour personne que l'Égypte antique était nègre. Ça, au moins, vous savez ça? Que les pharaons du temps passé, c'était des noirs. Ce n'était pas des blancs. Comme les films hollywoodiens veulent nous faire croire. C'était des noirs. Si c'est le cas que les Égyptiens antiques étaient des noirs, expliquez-moi comment Pharaon a décidé de tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Et que Moïse, un enfant hébreu, ramassé par la fille de Pharaon,
soit introduit dans la maison de Pharaon, et Pharaon même élève son propre ennemi sans savoir que c'est son ennemi. Si les Hébreux étaient blancs, Moïse serait automatiquement un enfant blanc. Alors Pharaon saurait que cet enfant blanc-là, c'est un Hébreu que j'ai demandé de tuer. Comment ma fille a pris ça pour venir dans ma maison? Ça ne vous ouvre pas l'esprit là? Moïse n'était pas blanc. Les Hébreux n'étaient pas blancs. Depuis l'Égypte, ils n'étaient pas blancs. Abraham n'a jamais été blanc. Abraham, Isaac, Jacob, ce n'est pas des blancs. C'est des noirs. Et là, nous avançons le même Moïse quand il tue l'Égyptien et qu'il fuit dans le désert. La Bible dit qu'il se retrouve chez Uriel ou Jéthro, là où il va prendre sa femme finalement. Quand il arrive là-bas, il tombe sur les filles de Jéthro qui puisaient de l'eau et les Madianites venaient pour faire la tricherie. Alors Moïse prend la défense des filles de Jéthro. Et Moïse les défend. Les filles rentrent à la maison très tôt. Et alors, leur père est étonné de voir que les filles sont rentrées plus tôt aujourd'hui. Et il pose la question à ses filles. Hey, mes filles, par quel miracle êtes-vous rentrées plus tôt aujourd'hui? Et regardez la réponse que les filles vont donner. Elles disent, un Égyptien nous a délivré de la main des Madians. Un quoi? Un Égyptien. Donc, elles ont assimilé Moïse à un Égyptien. Or, l'Égyptien était des Noirs. Si Moïse était blanc, comment on peut confondre un blanc avec un noir? Ça devait vous ouvrir l'esprit. Oh, peuple africain, c'est notre jour. C'est notre temps. Le temps de notre réveil est arrivé. Longtemps, Dieu a voulu que notre mémoire soit effacée, qu'on ne sache même plus qui nous sommes, qu'on ne reconnaisse même plus notre identité. Mais Dieu avait promis qu'à un temps donné, il allait ramener la mémoire de l'Africain, des Africains, pour que nous puissions nous identifier, qu'on sache qui nous sommes. Quand nous serons qui nous sommes, je vais vous dire ça à la fin, vous saurez pourquoi nous sommes ici pour faire cette conférence. Mais avant, prenons quelques écrivains qui ont parlé des Hébreux et qui ont décrit la couleur raciale des Hébreux. Je tiens même un livre ici, même dans le... Ah, d'accord. C'est... Exode 2, verset 16, verset 9 à 16, hein. Verset 2, chapitre Exode 2, verset 9 à 16, Exode 2, verset 22 à 24 aussi. C'est-à-dire parlant de Moïse dans le désert, où il est confondu à un Hébreu. Regardez un peu par ici, regardez ce livre-là. Pour celui qui sait lire l'anglais, comme mon frère ici, que je sais bien. Les Juifs et Nègres. Merci. Des Jews et Nègres. Des Jews et Nègres. Ça veut dire le Juif est noir. Ou le Juif est nègre. S'il vous plaît, ce livre n'a pas été écrit aujourd'hui. Ce monsieur qui a écrit le livre s'appelle Arthur Talmage Abernethy. Il a vécu depuis 1872 à 1956. Donc ce n'est pas un livre écrit aujourd'hui. Et depuis ce temps déjà, c'est un blanc, hein, ce n'est pas un noir, qui écrit un livre pour montrer que les Juifs sont quoi? Noirs. Les Juifs sont noirs. Et c'est nous, les Noirs, qui allons venir et dire, non, pourquoi tu dis les Juifs sont noirs? Non, ça là, c'est pas ceci, c'est pas cela. Si dans ton église on t'a prêché autre chose, je m'en fous de ça. Tu ne peux pas me prouver le contraire de ce qu'il dit ici, parce que tout ce que tu as de contraire pour montrer que le Juif est blanc là, c'est dans les films de Hollywood que tu as regardé. Il n'y a pas une écriture dans la Bible que toi tu peux prendre pour me montrer que le Juif est blanc. Maintenant, si les Hébreux sont blancs, que Jésus est né parmi les Hébreux, il devait être de quelle couleur? Question. Non, vous pouvez me répondre au moins sincèrement. Si les Juifs, les Hébreux sont noirs, si les Hébreux sont noirs, comme on vient de prouver, et Jésus est né parmi les Hébreux, comme un Israélite, comme un Hébreu, donc Jésus devait être de quelle couleur? Noir. Alors,
C'est quoi, on a peur de dire ça. On a peur de dire ça. Jésus, même Dieu au ciel, il est noir. Mm. Oh, yes. Dieu dans le ciel est noir. Je sais ce qui commence à tremper dans vos esprits. Oh, ce monsieur-là, il exagère maintenant. Mais Dieu est esprit. Hein, la Bible dit que Dieu est esprit. Comment il peut dire que Dieu est noir? Un esprit n'a pas de couleur. Ça encore, c'est ta religion qui parle. C'est pas ta foi. Utilise une foi, ta foi. Laisse la religion à côté. Si tu me dis que Dieu est esprit et que Dieu n'a pas de couleur, dis-moi qui est Jésus pour toi. Il y a combien de dieux? En tant que chrétien, il y a combien de dieux? Ok. De Jésus et du Père, qui est Dieu? Non, mais répondez-moi sincèrement. Jésus est le Fils. Il est quoi? Le Fils. Il est le Fils. Donc il y a un Père. Qui est Dieu alors? C'est Dieu. Hein? Dieu, c'est le Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Ouais. Et Jésus est quoi? Le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Ouais. Donc il n'est pas Dieu. Il est aussi Dieu. Ah d'accord, merci. Ok. Maintenant écoutez. La Bible dit Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Jean chapitre 1. L'évangile de Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière parut parmi les ténèbres ne l'ont point reçue. Au verset 14, la Bible dit maintenant, cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et on a connu. On a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique qui est sorti du Père. Donc reprenons. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole elle-même est Dieu. Cette parole s'est faite. On n'a pas dit la parole a fabriqué une chair. La parole elle-même est devenue chair. Elle est venue parmi nous. Donc dites-moi, où est le Père, où est le Fils? Ça veut dire le Père qui est invisible, s'est rendu visible. Donc la forme visible du Dieu invisible, c'est ça qu'on appelle le Fils. Le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire, c'est pas comme mon fils à moi, où j'ai pris une femme, je me suis uni avec ma femme, elle est tombée enceinte pendant 9 mois pour enfanter un enfant. C'est pas de ça qu'il est question. Fils de Dieu, la Bible dit, les Juifs, quand ils disent Fils de Dieu, ça veut dire un homme qui est égal avec Dieu. C'est pour ça même qu'on a jugé Jésus et qu'on l'a crucifié. Parce que lui qui est un homme, il se faisait égal à Dieu. Donc, il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. Le père, là, c'est lui qui s'est fait fils. Quand on dit fils, ça veut dire l'invisible rendu visible. Voilà pourquoi, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 4, la Bible dit, n'accordez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Il dit, vous reconnaîtrez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair. Alors, ça pose un problème. Que Jésus-Christ est venu en chair, il était quoi alors? Avant de venir en chair. Alors vous allez dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 7, qui nous dira, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en se rendant semblable aux hommes, en devenant comme un simple homme. Il est venu et il est mort à la croix. Vous voyez un peu, non? Donc, Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Quelle est la forme de Dieu? Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc,
Jésus-Christ, celui qu'on appelle Jésus-Christ aujourd'hui, il existait déjà au ciel en forme de Dieu, c'est-à-dire en forme d'esprit. Donc invisible. C'est le même là qui était invisible là-bas. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire, et il a pris une forme de serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes. C'est-à-dire, il est semblable aux hommes, sinon il n'est pas un homme. Il est Dieu rendu semblable aux hommes. Il est esprit invisible rendu visible. Donc l'esprit invisible, c'est le Père. Quand il se rend visible, on appelle cette visibilité de Dieu là le Fils. Et quand il meurt à la croix et qu'il ressuscite, il remonte pour reprendre la même place, la même position d'esprit invisible. Et il nous revient comme le Saint-Esprit qu'on ne voit pas aux yeux. Si vous voulez, je vous fais un cours de chimie en 3 minutes qui va résumer ça. Ça va tuer la trinité que beaucoup de personnes prêchent dans les églises qui n'est même pas de Dieu. À l'école, on nous a enseigné les 3 états de l'eau. Vous vous souvenez de ça? Les 3 états de l'eau. L'état liquide, l'état solide, l'état gazeux. N'est-ce pas? L'eau, voici l'eau. Qu'est-ce que je fais? Comme c'est à l'état liquide, je fais quoi? Je bois. C'est bien de boire de l'eau quand c'est liquide. Mais est-ce que je peux prendre une poignée d'eau? Comme ça. Comme vous attrapez le foufou ici. Est-ce que je peux prendre une poignée d'eau? Non. Jamais. Non, on ne peut pas attraper une poignée d'eau, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. Vous prenez ça là, c'est filtré au travers de vous. Mais quand je prends cette eau qui reste là, je mets dans un congélateur pendant quelques heures, ça devient quoi? Du solide. Et là, on sait que c'est l'eau là qui s'est solidifiée, hein, mais il change de nom. Est-ce qu'on l'appelle l'eau encore? On l'appelle quoi? Glace. Donc quand il change d'état, même son nom change. Même son visage change. Est-ce qu'on peut boire la glace? Ils sont intelligents. On ne peut pas boire la glace. On peut croquer la glace, mais on ne peut pas boire la glace. On peut utiliser, on peut attraper la glace. Ouais, l'eau, si je prends l'eau comme ça, que je jette, même avec toute ma force sur le visage de mon frère, est-ce que ça peut le blesser? Non. Mais si j'ai solidifié l'eau là, ça devient boule de glace. Je peux le tuer avec ça. C'est vrai, non? Je le colle la tête, jusqu'à ce qu'il peut mourir. Donc, même l'usage change. Le nom change. La forme change. Vous prenez cette glace, vous déposez à l'air libre, comme ça. Et vous regardez. Il y a quelque chose qui va s'élever comme une fumée de cigarette. Comme ça. Comme ça. On appelle ça quoi? La vapeur. La vapeur. C'est ça l'état gazeux de l'eau. La vapeur. Et cette vapeur-là, pourquoi on l'appelle vapeur? Dans notre conscience, on sait que c'est la même eau-là qui était devenue glace-là. Qui est là? Mais on ne l'appelle plus l'eau. Amen. On ne l'appelle plus glace. On lui donne un nouveau nom encore. Vapeur. Est-ce qu'on peut boire la vapeur? Non. Est-ce qu'on peut attraper la vapeur? Non. Mais on peut humer la vapeur. On peut respirer. Comment on dit ça? Pas respirer. On peut inhaler la vapeur. Si vous comprenez, Dieu, dans son état de Père, c'est l'eau. Quand il devient solide, c'est Jésus, c'est-à-dire la parole devenue chair. Quand il est à l'état d'esprit, la manière de l'utiliser, c'est différent. Vous ne le voyez pas. Vous ne le touchez pas. Vous sentez sa présence. Mais quand il devient solide, il est un homme parmi les hommes. Vous pouvez le toucher, il peut parler avec vous, il communique avec vous. Vous pouvez le gifler, vous pouvez l'insulter, il peut avoir des ressentiments. On le tue, il meurt, il ressuscite. Mais à la 3e phase, il devient vapeur. C'est là où vous voyez cet homme appelé Jésus décolle physiquement comme ça. Il commence à monter, il devient comme un nuage et il disparaît. La vapeur fait quoi? L'eau que nous avons, que nous buvons ici là, c'est la même eau là
quand ça tombe comme pluie, quand le soleil se lève, ça chauffe l'eau, la mer, l'océan, là, ça chauffe et ça produit la vapeur. La vapeur remonte au ciel et redevient liquide et ça retombe comme pluie. C'est la même matière qui change d'état. Donc, il n'y a pas de trinité, s'il vous plaît. Il y a un seul Dieu qui a joué trois rôles. Il a joué le rôle de Père dans l'invisibilité. C'est Dieu, c'est Matthieu, Jean 4, 24. Dieu est esprit. Mm-hmm. Tout le monde doit l'adorer en esprit, en vérité. Mm-hmm. Mais quand il vient sur la terre, il n'est plus esprit. Mm-hmm. Il devient humain. Donc, c'est du solide. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le même Dieu devenu Jésus. Ce Jésus mort, ressuscité, redevient esprit, donc la vapeur. Vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas boire la vapeur, mais on peut l'inhaler. Donc la vapeur entre en nous, c'est le Saint-Esprit qui entre en nous. Bon, vous voyez que c'est plus simple de comprendre comme ça. Du coup, notre doctrine de Trinité, mettons ça dans la poubelle. La Trinité nous conduit au polythéisme. Parce qu'on nous parle un français même contradictoire. On dit la Trinité signifie trois personnes qui font un. Mais est-ce que réellement trois personnes peuvent faire un? Non. Soyons sincères. Nous sommes ici à combien? Même si on prenait la colle forte, qu'on prenait cet homme-là, on le colle à moi. On prend lui-là, on le colle à moi. On sera trois individus collés. On ne sera jamais un. Parce que, même collé, on peut me tuer et puis lui, il vivra. Vous comprenez cela? Parce que pour être une personne, il faut avoir une personnalité. Et une personne a déjà trois éléments en lui. C'est son esprit, son âme, et son corps. C'est les trois là qui font un individu, une personne. Donc je suis déjà une personne. Et on me dit trois personnes qui font un. Ah non? C'est du français renversé. Ça n'existe pas. C'est comme si on me disait qu'une fourmi de 18 mètres qui traîne un chariot avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oubliez ça. Revenons à nos moutons. Vous voulez que je vous prouve que Dieu est noir? Hein? Vous voulez? Ça. Oui? Abraham était noir, il ne nous a pas eu. Nous avons prouvé cela. Abraham. Merci. Abraham, il était hébreu? Oui. Tu es sûr? Isaac était hébreu? Oui. Tu es sûr? Jacob était hébreu, mais nous venons de prouver que les hébreux sont noirs. Ou bien vous voulez que je prenne le nom individuellement? C'est comme si je dis les Congolais sont noirs. Et tu me poses la question, est-ce que tu sais que dit son excellence, il est noir? Mais est-ce qu'il est Congolais? Est-ce qu'il est Congolais autochtone de souche? Si c'est oui, il est noir. Je ne sais pas si nous parlons des Hébreux, n'oubliez pas le thème. Hein? Les Hébreux, l'origine hébraïque. Hein? Donc nous parlons des Hébreux. Et tu me dis qu'Abraham est hébreu. Tu me dis qu'Isaac est hébreu. Tu me dis que Jacob est hébreu. Les 12 tribus sont hébreux. Nous venons de prouver que les Hébreux sont noirs. Donc Hébreux inclut Abraham, ça inclut Isaac, ça inclut Jacob. Ça inclut les 12 tribus, ça inclut Israël. Dois-je encore citer chacun par son nom? Je pense que non. Les Hébreux sont noirs, ça inclut Abraham, mon frère. Ça inclut Isaac, ça inclut Jacob. Ça inclut les 12 tribus. C'est tous ceux-là qui sont noirs. Si nous remontons plus haut, les trois fils de Noé, il y avait deux noirs, un albinos. L'albinos est devenu la race blanche que vous connaissez. C'est les Japhétis. Mais Cam et Sem étaient noirs.
Ça, c'est un autre débat. Oh, le temps, hein? Est-ce que je dois continuer? Hein? Bon, d'accord. Oui, 20 minutes. Et puis, je m'arrête. La preuve que Dieu soit noir. Ok? Je viens de vous prouver, donc ne me dites plus encore que Dieu est esprit, donc Dieu n'a pas de couleur. Je viens de vous démontrer que le Dieu esprit se fait chair. Même au ciel, s'il vous plaît, si nous sommes croyants, on doit comprendre beaucoup de choses en mettant nos religions de côté. C'est-à-dire Dieu là, même Dieu dans le ciel, il reste invisible, s'il vous plaît. Même dans le ciel, il reste invisible. Vous savez que le ciel est peuplé, non? Le ciel est peuplé comme la terre. Le ciel est peuplé par qui? Par les anges. Merci. Je veux vous dire que même les anges ne voient pas Dieu comme ça. Quand Dieu veut se faire voir par les anges, Dieu est tenu de se mettre dans un corps angélique. Pour se faire voir par les anges, il a la possibilité de se rendre invisible même face aux anges. Ça, c'est profond, hein? Ah, hein? Qui connaît un peu l'histoire de Manoach, le père de Samson? La Bible dit que Manoach et sa femme étaient allés au champ et que la femme a rencontré un homme ordinaire, un homme comme ça, qui est venu. Ah, bonjour, madame. Ah, bon travail, tu travailles bien là. Ah, d'accord. Où est ton mari? Non, mon mari est à la maison. Ah, d'accord. Il n'est pas venu au champ aujourd'hui, non? Ils ont causé normalement. Et le bonhomme lui dit, madame, toi et ton mari, vous êtes mariés, ça fait plusieurs années, vous n'avez pas d'enfant. C'est vrai, non? Elle dit, oui, hey, mais qui vous a dit ça? Non, 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 ne panique pas. Hein? C'est vrai, non? Oui, oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Si tu rentres, dis à ton mari que vous aurez un enfant. Oh! La femme jette ses outils et court à la maison. Elle dit à son mari. Le mari dit, mais celui qui t'a dit ça, il est comment? Quel est son nom? Elle dit, hey, j'ai pas demandé son nom. Le lendemain, ils sont repartis au champ. Et le monsieur a prié pour que le même homme-là revienne. Effectivement, le même homme est revenu. Et le monsieur était là maintenant. Et le même homme dit le même discours devant le mari et la femme. Cette fois-ci, le mari, lui, il est plus prudent. Il dit, monsieur, ce que vous nous avez dit là, bon, je crois que ça va arriver, que j'aurai un enfant. Mais si ça arrive, il faut que je connaisse ton nom pour te remercier. Dis-moi, quel est ton nom? Il dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? Il est merveilleux. Donc, mon nom est merveilleux. Vous vous souvenez de Esaïe 9:5? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, on dit, il est merveilleux. Alors, il dit, bon, ok, une autre question. Si ce que tu me dis arrive là, qu'est-ce qu'il faudra t'offrir pour que ça te fasse plaisir? Il dit, non, quant à ce que tu veux m'offrir, même si c'est tout de suite, tu n'as qu'à prendre un agneau ou un chevreau, tu l'offres en holocauste à l'Éternel. Il n'a pas dit à moi, il dit en holocauste à l'Éternel. Jusque-là, Manoach et sa femme, ils ont affaire à un homme comme vous et moi. Quand ils vont prendre maintenant l'animal qu'ils vont l'immoler pour mettre sur eux, l'autel, quand ils ont mis du feu, que le feu a commencé à consumer l'holocauste, la Bible dit quoi? L'homme là qui parlait, il est rentré dans le feu, il est devenu une flamme lui-même. Il s'est transformé en flamme et il est monté au ciel. Du coup, Manoach a crié pour dire, ah, chérie, nous allons mourir. Parce que nos yeux ont vu Dieu. Nos yeux ont vu quoi? Dieu. Pourtant, il est venu simplement comme un homme. Ça veut dire que Dieu qui est invisible, quand il veut se faire voir par un homme, il fait quoi? Premièrement, il se rend lui-même visible. Et ça, il prend la forme d'un homme comme toi pour pouvoir communiquer avec toi. N'est-ce pas? Pour communiquer avec toi. Donc, ne me dites pas que Dieu est seulement esprit
Donc Dieu n'a pas de couleur. Même au ciel, quand les prophètes le voient dans une vision, ils le voient en tant qu'un homme, un humain assis sur le trône. Mais quelqu'un qui a déjà une forme, il doit avoir une couleur, non? Si il se donne une forme, il doit avoir une couleur. C'est pas pour dire, pour inventer des choses, c'est des écritures qu'on va lire. On lit ça rapidement, on va quitter ici. Oh, que Dieu nous aide. Premièrement, prenez avec moi Ézéchiel chapitre 40, le verset 3. Ézéchiel chapitre 40, le verset 3. Hein? Ézéchiel 40, le verset 3 nous dit ici. Ça, c'est Ézéchiel qui a eu une vision de Dieu dans le ciel et il raconte. Il dit, il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Quand on dit l'aspect de quelqu'un, ça veut dire sa ressemblance morphologique. On appelle ça en bon français l'anthropomorphie de la personne. Si j'envoyais quelqu'un, si j'étais dehors que j'envoyais quelqu'un dans la salle, et j'ai dit, bon, va dans la salle, et j'ai un de mes compagnons là, tu lui diras telle chose. Ah, mais il y a beaucoup de personnes, comment je peux le connaître? Mais si tu rentres, il faut voir, il y a un monsieur qui est assis devant, il a une chemise jaune, il a un teint un peu clair, il est habillé en teint, il a une montre. Vous voyez un peu, je vais décrire selon sa ressemblance morphologique. C'est ce que les prophètes ont fait ici. Et il dit, gloire à Dieu, il dit son aspect, il avait l'aspect de l'airain. Hein? Son aspect, dont l'aspect était comme de l'airain. Et l'aspect de l'airain, et il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Ce que je voudrais que vous reteniez d'abord dans ce texte-là, la Bible, le prophète décrit cette personne-là, que cette personne a l'aspect de l'airain. Posons-nous la question, l'airain c'est quoi? C'est quoi l'airain? Vous voyez qu'on ne s'est jamais posé cette question. On lit la Bible parce que c'est la Bible. On a trouvé l'airain, bon, c'est un mot biblique. Cherchons à comprendre. L'airain, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le bronze. C'est un alliage de l'aluminium et de fer. Ça s'appelle le bronze. Donc maintenant, si le prophète dit que cette personne avait l'aspect du bronze, le mot bronze même se définit déjà, sa couleur est définie par son nom. Oh, vous êtes fatigué? Non, non, non. Je peux m'arrêter, hein? Non, 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 non. Donc, réagissez pour que je sache que vous me suivez. Le mot bronze se définit par son nom même. Est-ce que bronze, ça veut dire blanc? Non, non. Bronze, ça veut dire quoi? Ça veut dire brun. Bronze, ça veut dire brun. En réalité, les Africains ne sont pas noirs aussi. Hein? Nous ne sommes pas noirs. Est-ce qu'on est noir? Non. Être noir, c'est comme ça. Vous voyez comment l'écran là est? C'est ça le noir. Vous avez trouvé déjà un Africain comme ça? Donc, on n'est pas noir, on est brun. Nous sommes des personnes brunes. Donc, nous sommes bruns. On a comme... Merci. Nous sommes de l'aspect de l'airain. Nous sommes bronzés. On n'est pas noir. Amen. Maintenant, l'homme que le prophète a vu au ciel là-bas, il a l'aspect du bronze. Il ressemble à qui? À nous. Sinon, nous le ressemblons. En tout cas. Avançons rapidement. On va lire un autre passage rapidement. Bien, prenons Apocalypse chapitre 1. On va gagner en temps rapidement. Il y a beaucoup de textes, mais je vais vous épargner ça parce qu'il faut qu'on raccourcisse pour terminer.
parce qu'on va revenir l'après-midi pour que mon frère puisse exposer aussi. Après le chapitre 1, le verset, prenons du verset 12 au verset 15, hein, rapidement. Non, Apocalypse, chapitre 1. Chapitre 1. Voilà, chapitre 1. Chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 12. Il est dit ici, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Ça, c'est Jean qui parle ici. Et il dit, il s'est retourné, il a regardé pour savoir quelle est la voix qui lui parlait. Et quand il s'est retourné, il a vu sept chandeliers d'or. Il dit, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et il dit, au milieu de sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 14, il dit maintenant, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Bon, ici, l'apôtre Jean a vu une vision de cette personne-là dont il parle. Et vous savez bien qu'au verset 1, la Bible dit quoi? Révélation du Seigneur de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, ça c'est la relation directe avec Jésus-Christ qui était au milieu des chandeliers. C'est la personne de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Après la résurrection, bien sûr. Et il dit ici que sa tête et ses cheveux étaient comme de la laine blanche. S'il vous plaît, mot par mot et leur explication. C'est quoi la laine? Qu'est-ce qu'on appelle la laine? Poil d'animal. Principalement du mouton. Maintenant, pourquoi le prophète n'a trouvé que les poils de mouton pour décrire les cheveux de cet homme qu'il a vu au ciel là-bas? Parce que, en français, quand on dit que quelqu'un, vous savez, les cheveux, les poils du mouton, c'est la laine. Quand on dit que quelqu'un a des cheveux laineux, ça veut dire qu'il a des cheveux crépus. C'est le français, hein? Les cheveux laineux. Donc, nous tous qui sommes dans la salle ici, puisqu'il n'y a pas de blanc parmi nous, on a tous des cheveux laineux. Donc, sur la terre des hommes, dans les quatre races, il n'y a qu'une seule race qui a des cheveux laineux. C'est la race noire. Donc, ce Christ qui est assis au ciel a des cheveux laineux, c'est-à-dire des cheveux crépus. Or, les cheveux crépus ne sont réservés qu'à une personne de couleur noir. Nous venons de prouver d'abord que les Hébreux sont noirs. Quoi d'étonnant si Jésus-Christ lui-même, qui est né parmi les Hébreux, il est noir. N'est-ce pas? Maintenant, regardez les cheveux de ce monsieur. Puisqu'on a dit que ses cheveux étaient blancs comme la laine. Parce que quand on dit blanc, tout le monde voit les blancs. On voit des Européens. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On a des noirs, est-ce que lui il est blanc? C'est un Africain. Avec des cheveux laineux, mais de la laine blanche. Quand vous voyez l'image, ça vous permet de bien comprendre ce que dit l'Écriture ici. Est-ce que ça va? Bien. Maintenant, avançons rapidement. Prenons... Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 3. Apocalypse 4, verset 2 à 3 nous dit, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Ça, j'aime ce texte-là,
Parce que les précisions sont claires. Le prophète Jean, ou l'apôtre, parce qu'il n'était pas seulement apôtre, il était apôtre et prophète. C'est en tant que prophète qu'il voit ces visions ici. Il dit, aussitôt je fus ravi, et voici, il y avait un trône où? Dans le ciel. Ça veut dire, Jean a quitté la terre, il est monté dans le ciel. S'il y a un trône dans le ciel, et que quelqu'un est assis sur le trône, ça doit être qui? Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites? Bien sûr. Que c'est Dieu? Bien. Parce qu'au ciel, le trône là-bas, il n'y a que Dieu qui peut s'asseoir là. Donc il dit, je suis ravi au ciel. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Celui qui était assis sur ce trône-là, son aspect, sa morphologie, sa ressemblance, il ressemblait à une pierre de jaspe et de sardoine. Technicien, montrez-nous la pierre de jaspe et de sardoine. Regardez ce qu'on appelle pierre de jaspe. Est-ce que ça ressemble aux Allemands, aux Français? Au moins, ça ressemble aux Congolais, non? Oui. Donc, Dieu qui est assis au ciel, la Bible dit que sa couleur est comme ça. Donc, Dieu est quoi? Noir ou blanc? Noir. Alors, donc, quand je fais une déclaration, je n'invente pas ça de ma tête. Je parle des Écritures. Dieu est noir. Peut-être c'est Satan qui est blanc. Ce n'est même pas peut-être. Satan est blanc. Parce que tout le mal sur la terre nous vient des blancs. Et il n'y a que Satan qui soit le maître du mal. Ça paraît amusement, mais c'est la réalité. Dieu est noir, Satan est blanc. Alors, la pierre de jaspe, c'est ça. Montrez la pierre de sardoine. Là, entre la pierre de jaspe et de sardoine, il n'y a même pas de différence. Parce que c'est les mêmes couleurs. Et quand vous regardez cette pierre-là, par rapport à l'airain qu'on a, on a montré comme étant le bronze, vous voyez que c'est la même chose. Même couleur. Donc, tous les prophètes qui ont vu Dieu, Daniel a vu, on peut même arriver à Daniel tout à l'heure, Ézéchiel a vu Dieu, il a décrit Dieu en tant que même chose. Il a ressemblé Dieu à de l'airain. Et Daniel a vu la même chose, il dit Dieu ressemble à de l'airain. Jean voit Dieu ici, il dit que Dieu ressemble à tantôt de l'airain, tantôt le jaspe et le sardoine. Et toutes ces pierres qu'ils ont utilisées, tous ces métaux qu'ils ont utilisés pour décrire la couleur de Dieu, tous ces métaux ont la même couleur. C'est brun. Donc du coup, Dieu ne peut être que noir. Alors maintenant, frères, chers frères congolais, mes frères africains, vous comprenez maintenant pourquoi le blanc, l'homme blanc a la haine contre l'homme noir. C'est parce que quand l'homme blanc vous regarde, vous et moi, il voit Dieu. Il voit Dieu en nous. Il se regarde, il ne voit pas le reflet de Dieu en lui. Et ça crée la haine, la jalousie. Donc c'est un complexe d'infériorité. En réalité, le complexe d'infériorité, ce n'est pas nous qui devons la souffrir. C'est l'homme blanc qui souffre de ça. C'est pourquoi il a développé, n'est-ce pas, cette colère qui est devenue une haine. Au point où il massacre l'homme noir partout où il le trouve. C'est pour ça qu'il fait ça. Il n'y a pas autre raison. Ok? Faire défiler les autres pierres, jaspe, sardoine, il y en a beaucoup. Mais c'est la même couleur. Vous comprenez un peu cela. Alors, maintenant, je vais en venir, pour terminer, à des déclarations que des hommes bien connus, ont fait des déclarations qu'il est convenable que dans cette conférence, on puisse vous lire ces déclarations. Vous avez connu l'ex-président américain appelé John Fitzgerald Kennedy. Regardez la déclaration de John Kennedy. John Kennedy a fait cette déclaration. C'est encore mal réglé. Mais je vais lire ici. Sinon, j'allais dire à mon frère qu'il lit bien l'anglais, qu'il nous le lise. Mais je vais me débrouiller.
It is, but suppose God is black. Suppose God is black. What if we go to heaven and we all our lives have treated the Negroes as an inferior, and God is there, and we look at up, he is not white. What's then our response? Il dit ici, qu'en est à supposer que Dieu soit noir? Qu'en est-il si un jour nous arrivons au ciel et que toute notre vie, nous aurions traité l'homme noir comme étant un être inférieur? Et voici, nous arrivons au ciel, nous levons les yeux, nous regardons, nous voyons que Dieu qui est assis, il n'est pas blanc. Il dit, quelle sera notre réponse? Donc, quelle sera notre réaction? Vous pensez que Kennedy a dû faire une déclaration fortuite comme ça? Si quelque chose n'avait pas attiré son attention sur la couleur de Dieu, à vous de répondre. Il y a des gens, des grands hommes qui connaissaient ces vérités, qui ne pouvaient pas le déclarer. Vous comprenez un peu cela? Et ensuite, le grand évangéliste du 20e siècle, l'un des grands évangélistes, Billy Graham, un grand érudit, un grand théologien qui connaissait les vérités sur beaucoup de choses cachées. Regardez sa déclaration. Et j'ai la vidéo, hein, la vidéo est là. Comme je l'ai dit, si j'ai votre numéro WhatsApp, après je vais balancer ça. Mais je vous sors sa déclaration. Il dit ici, au sujet, bon, il dit, homme de couleur, vous ne devez jamais oublier ceci. C'est que Jésus-Christ appartient à l'Afrique. Et Jésus n'était pas blanc comme moi. Et Billy Graham. Billy Graham, oh, bro, tu as ça au moins, c'est hier soir que je t'ai balancé. Tu peux? C'est là dans ce que je t'ai balancé, c'est dedans. Hier soir. Si tu passes ça, c'est pas long. Alors, Billy Graham déclare que Jésus n'était pas blanc comme lui. Et que Jésus était noir. Ces gens-là connaissaient la vérité, ils ne pouvaient pas le dire. L'homme William Branham, par exemple, c'est son contemporain qui est là, Billy Graham. Ils ont prêché pratiquement à la même époque, à une époque où la ségrégation raciale était à son paroxysme. William Branham arrive en Arkansas, il veut prier pour un homme noir, et les policiers lui disent, tu n'as pas le droit, que si tu touches, toi un blanc, si tu touches un noir, ici, on t'amène en prison. Donc, vous imaginez, même s'il était prophète, vous croyez qu'il aurait le courage de venir dire que Dieu est noir, que Jésus est noir? Dans une atmosphère où simplement toucher un noir, on t'amène en prison. Vous allez me dire, non, ça là, tu dis des bêtises, les prophètes n'ont pas peur. Ah, je vais vous montrer le contraire. Hein. Ou bien vous ne lisez pas la Bible. Ou bien vous ne lisez pas la Bible. Et lisez le prophète. Dieu l'envoie pour aller parler au roi de Syrie. Il arrive là, il rencontre Azaël. Il dit à Azaël, bon, Azaël, qu'est-ce que tu me veux? Il dit, non, mon roi m'a envoyé te demander, il est malade, hein? Il m'a demandé à savoir que tu lui dises, est-ce qu'il va vivre ou il doit mourir? Qu'est-ce que Élisée a dit à Géasi? Il dit, va lui dire qu'il va vivre. Mais de toi à moi, il va mourir. Hein? Il dit, mais de toi à moi, il va mourir. Là, il ne faut pas lui dire ça. Dis-lui qu'il va vivre. Pourquoi un prophète peut avoir peur d'un roi? Et d'ailleurs, pourquoi il y a fui? Devant une femme. Et vous pensez que les prophètes n'ont pas peur? C'est des hommes comme nous. Hein. C'est quand Dieu rentre en lui que ça devient autre chose. Ah. Donc les prophètes, ils ont prêché la parole dans certaines conditions où ils ne pouvaient pas déclarer les choses ouvertement. Ils ont laissé des semences, ils ont laissé des choses, hein, pour que nous-mêmes, au temps convenable, nous puissions les exploiter et rendre ça plus clair. Et je vous ajoute la déclaration. Ah bon, mais il fallait même vous faire signe que c'est prêt. Tu peux mettre le volume? C'est tout le volume? Non, il faut reprendre.
Non, il faut reprendre à zéro. Il faut reprendre à zéro. Il faut qu'il suive ça. Oui. N'oubliez pas une autre chose. Jésus appartient à l'Afrique. Il est né dans cette partie du monde à l'intersection de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Il n'était pas un homme blanc comme moi. Il a dû être noir comme l'un de vous. Ça suffit. Bon, c'est une petite vidéo, je peux vous partager ça. Vous voyez ça? Qu'un homme de la trempe de Billy Graham ose dire ça, ça veut dire qu'il connaissait la vérité, mais il ne pouvait pas le dire ouvertement. Parce qu'ils sont venus dans une période où la ségrégation raciale battait son plein. Et même aider un noir, on vous faisait subir le châtiment de l'homme noir, même si vous êtes blanc. Alors, mes frères, la raison pour laquelle nous venons vous parler de ces choses, ce n'est pas juste savoir que les Hébreux sont noirs et puis c'est fini. Non. Si nous comprenons que les Hébreux sont noirs, la deuxième chose, c'est de nous poser la question nous-mêmes. Est-ce que nous sommes l'un de ces Hébreux-là? Parce qu'en Afrique, il n'y a pas que... Tout le monde n'est pas hébreu quand même. Hein? Tout le monde n'est pas... Ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes hébreu. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Dans la Bible, il y a les Philistins qui sont noirs. Ah oui. Les Ammonites, les Hérétiens, les Phérétiens, tout ce que vous lisez là, c'était des noirs. Les Égyptiens sont noirs. Les Nubiens sont noirs. Les Éthiopiens sont noirs. Mais il y a des Hébreux qui sont venus se mélanger au milieu de leurs frères noirs. Comme ça a duré plus de 3000 ans aujourd'hui, plus de 2500 à 2600 ans, hein. Parce que, comme je venais de dire, les premières déportations, c'est autour de 734 avant Jésus-Christ. Donc, imaginez 734 avant Jésus-Christ, que les Hébreux ont déjà quitté leur territoire, d'autres sont venus en Afrique, d'autres sont allés ailleurs. Et puis, même ceux qui étaient allés, chez les Perses, ceux qui étaient allés vers l'Asie, mm-hmm. au temps de la fin, ils se sont tous... Ils se déversaient encore en Afrique ici. Ils se sont tous déversés en Afrique ici. Et ça, avant Jésus-Christ. Maintenant, après Jésus-Christ, ceux qui sont venus encore dans les années après 70, à la destruction du temple, sont venus encore renforcer le groupe là ici. Donc, il y a des Africains et il y a des Hébreux parmi nous. On peut les identifier pour certains par leur manière, leur coutume, d'autres par leur nom, d'autres par leur langue et certaines pratiques. C'est pourquoi mon deuxième passage demain, je vais m'accentuer beaucoup sur la RDC. Vous serez surpris que même les noms de vos communes portent, ce sont des noms bibliques. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Vous n'êtes pas hébreu? Vous êtes quitté où avec ces noms-là? Matete. Selembao. Hein? Hein? Mbandaka. Et puis, vous pensez, c'est... Ils ne savent même pas. Vous êtes des hébreux qui s'ignorent. Vous êtes des hébreux qui s'ignorent. J'ai la liste de tous ces noms ici. Demain, on va parcourir ça avec des versets à l'appui. Et je vais vous poser la question maintenant. Vous êtes quitté où avec ça? Vous êtes quitté où avec ça? Même des pays, les noms des pays. Gabon, Botswana, Tanzanie, Cameroun, Yaoundé, par exemple. Yaoundé, Kigali, Gemena. Hein? Bashi. Il y a des endroits appelés Bashi ici, non? Mouchi, pardon. Mouchi.
Mouchi. Oh, que Dieu nous aide. Je vous en prie, venez demain. D'abord, venez ce soir, parce que lui, il va continuer. Il va continuer sur un autre plan pour renforcer ce que nous sommes en train de dire ici. Je viens de vous prouver A plus B que les Hébreux de la Bible sont noirs. Voilà pour confirmer Sophonie chapitre 3, verset 10 que nous avons pris pour soutenir le thème. La raison pour laquelle Dieu a dit dans Sophonie que son peuple dispersé sera dans cet endroit, c'est parce qu'ils sont noirs. Parce que à cette période, maintenant où nous sommes assis là, cette zone d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il n'y a pas de blancs qui habitent là. Pourquoi Dieu a découpé pour dire au-delà des fleuves de l'Éthiopie? Parce qu'il savait qu'avant les fleuves de l'Éthiopie, il y aurait des envahisseurs qui viendraient chasser les noirs pour les parquer au sud et ils allaient prendre cette partie-là. Ces envahisseurs, on les appelle les Maghrébins. Les cinq pays du Maghreb. L'Égypte, la Libye, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Voilà les cinq. Ces pays-là, c'était des pays de noirs. Ces gens que vous voyez là-bas, là, ne sont pas des Africains. Ils sont venus les derniers en Afrique. Ils sont venus les derniers et au 7e siècle, s'il vous plaît. Ce sont les Ottomans. Et ils sont venus suite à l'événement de l'islam. Ils sont venus à la conquête. Ils ont chassé nos parents. C'est pourquoi beaucoup d'Égyptiens sont en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Égyptiens antiques sont au Sénégal, sont en Côte d'Ivoire, sont en Gambie, ils sont au Ghana. Hein? Non, je vais parler. Oui! On a trouvé les langues ivoiriennes dans les pyramides.